Je vous salue par le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je bénis le Seigneur. Ça fait déjà trop longtemps que je suis venu ici. La dernière fois que je suis venu, mon retour a été difficile parce que mon véhicule était tombé en panne en pleine route. J'étais avec ma femme qui m'a poussé. On était allé difficilement. On est peu rentré à la maison. Depuis lors, je priais pour que le Seigneur me fasse la grâce de m'accorder un véhicule qui puisse faire un long voyage. Et avant de venir ici encore, le Seigneur a exaucé. Aventures, je ne suis plus jamais venu ici parce que je ne pouvais pas venir et j'ai prié Seigneur, mon prochain voyage se nommé là. Papa, fais-moi grâce. Tu sais que j'en ai besoin du haut de son trône. Il m'a regardé. Est-ce que ce que je demande là, est-ce que c'est dans son intérêt? Il a demandé aux anges d'aller prendre des renseignements. Est-ce que réellement c'est dans son intérêt ou bien dans mes propres intérêts? Ils lui ont fait un rapport. Il a dit, attendez-moi. Et c'est ça le cadeau que j'ai présenté au monde entier. Parce que quand Jésus te fait cadeau là, il ne faut pas cacher ça. Voilà. C'est quand tu voles que tu vas cacher. Et si c'est cadeau de Jésus, il faut exposer. C'est-à-dire, on n'allume pas une lampe. Elle a même aussi un cadeau. Pour mettre ça sur le lit. On met ça. Pour que tout le monde voit. Pour que tout le monde sache. Que tu adores un Dieu redoutable. Elle est souvent mentiment. Un Dieu quelqu'un. Et Maui est un seul. Dieu, alléluia. Amen. Et c'est un cadeau vraiment qui m'a vraiment beaucoup soulagé. Regardez, on a quitté Cotonou vers 7h. On est venu très rapidement. Alléluia. Amen. Amen. On est venu très vite. Il va et je sais que chacun de vous, vous aussi, vous priez chacun pour quelque chose. Ça dépend de comment vous priez. Quand vous priez là, est-ce que vous mettez l'intérêt de Dieu devant? À prier. C'est elle qui a besoin.
entre Dieu et Anne, qui a besoin d'enfants? Le mari appelé Anne a demandé qu'elle vienne à vie. Mais elle a dit Dieu, bon problème, ben, si tu me donnes, ne le ce sera pas pour moi. Manye ton, je vais te l'offrir. Bon, ma tête, son âme. Mais Dieu n'a pas besoin d'enfant. Ma oube, il est vieux. Dieu n'a pas besoin d'enfant. Ma oube, il est vieux. Mais comment? Quelqu'un qui prie pour lui, amener que le tout pour elle, donne-moi, ben nam, je te donne. Ma conscience est là. Je vais lui donner pour voir. Ma chair n'est pas quoi là. Le Seigneur un peu là a exaucé Anne. Et nous tina Hana. Il lui a donné un. Yo ne et un garçon premier. Non, nous tu vis de cava. Est-ce qu'elle va tenir parole? De Watima ou l'Iben Gododo tiens. Rapidement, Carbanto. Samuel. Samuel. Et sauvé. Et suena. Ah, elle ne veut pas d'aller. Mais il m'a dit, ah ouais, le bico bon. Viens. Et toi, ma papillon. Celui qui t'a envoyé là. Ah, mais que dois-tu aller? Je veux te le faire. Ma croissant. Alléluia. Non. Dieu dit, ah. Ma femme. Et, ah, c'est comme ça que tu es. Ah, n'en est pas Léa. Donc si je te donne, tu me donnes. T'as même suena là, t'as suena là. Je vais te donner encore 6. Ma tante m'a deux suena là. Elle a demandé un tel de cas qui veut offrir. Et quand elle a offert, ça a généré combien? Et toi, tu l'as dit 6 encore. Et toi, tiens ma tête. Donc, quand tu demandes à Dieu, tu as le bien à Maoua. Mais l'intérêt de Dieu te voit. Son Maoua vit de nous, mon bain. Seigneur, si tu me bénis là, apporte-le le Yama. L'église Jésus te revient du Togo et Jésus veut dire Togo toi aura son propre site. Elle a couillé un temps de l'enfant. Combien de gens jouent comme ça ici? Avec ta mère, il va être de faire l'élément. Seigneur, si tu me bénis, apporte-le le Yama. Si tu me bénis, mets le Yama. Si tu bénis mes affaires, mets le Yama, et toi, on a voir. Si tu bénis mes projets, mais il y a une et quand ça se réalise, n'est pas mieux. Si tu bénis, mais il y a mon commerce, il y a Asitata, mon projet de commerce, il y a Asitata en Chine, le Chine, les premiers bénéfices. Vite bateau, je vais tirer. Il te parle à Seigneur. Après toi, je vais prendre une moto, ma prenons un de tes serviteurs. Non, le docteur de moto de car. Mais que vous faites de la compagnie les filles. Alléluia. Amen. Moi j'ai prié, j'ai dit Seigneur. Viens me tout après toi. Si tu changes trop mon véhicule là. Viens moi. L'évangile et Nyanya. Je vais casser toutes les frontières. Ah ma part de le ciel. Partout où véhicule peut aller là. Après ça fait que vous l'avez maïa. Je vais aller. Maï. Pour toi. Non. Amen. Je suis déjà là. Mêlé. Amen. Quand vous priez, et le milieu tout vous mettez l'intérêt de qui devant. Il y a un mec qui a pris mi tonne en combat. Tous ceux qui ont prié. Amen. Il y a quatre tonnes en combat. Pour mettre l'intérêt de Dieu devant. Toi, tu m'as pris de ton combat. Seigneur, si tu me bénis. Apporte-le le Yama. Voilà ce que je vais faire pour toi. Bon, ni que ma on a ou là. Dieu n'entend pas ça. Maou, maintenant, et quoi? Quand il entend ça, le Maou, c'est là. Il agit. Et bien, dans son nom, ma queue. Regardez. Voilà. La main de Samson. Simpson, Benon. Quelle est la même situation? Et il me dit, d'où est-ce qu'il a prié, Seigneur, fais quelque chose. Et tu bras, pourtant, on a des. Dieu l'a exaucé au moment. Toi aussi. Autant. Voilà. Voilà. Un secret que je viens de te donner. Voilà un secret. Que je t'ai donné facilement. Je ne sais pas si tu vas me rembourser. Je vous dis, ça marche. Mettez. Les intérêts de Dieu. Maou me bide. L'intérêt de Dieu. Maou me bide. Devant l'un corps. Dans vos prières. Le lever de tout le monde. Qui vous tient à cœur.
Même si c'est un enfant, ne vieux qu'on désiré. Seigneur, après temps, ce monde a besoin de qui fait à qui un de vrais serviteurs. Donc tu as Seigneur Jésus. Après temps, Jésus. Si tu me donnes un enfant, ne un vieux. Si tu me donnes un garçon, ne nom tu vieux. Je vais le consacrer à la Sainte Entrée. Ma quoi nous on est dans le monde. Un serviteur de la Sainte-Entrée. Si tu vas devant le Seigneur, si tu pries, si tu pleures, je te dis, aïe, même si ta trompe là est déchirée n'importe comment, le Seigneur, après toi là, il va la changer. Elle a trouvé. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu, en tout cas, je vous salue encore. Regarde, ma joie, est toujours remplie. Chaque fois que je viens ici. Et ma joie, aujourd'hui, est toujours grande. Regarde, parce que je trouve qu'il y a toujours un reste. Il y a toujours un reste qui continue de chemin. Qui continue la marche. Malgré les difficultés. Malgré les tribulations, il y a toujours un reste qui poursuit la marche. Mais ma tristesse, c'est de voir certaines chaises vides. De la même façon que ces chaises sont vides sur terre. Les filles au ciel, les du bois, c'est comme ça que ces chaises, tous ces chaises sont vides. Et tous ceux qui sont absents et qui ont l'habitude d'occuper ces chaises et qui sont absents aujourd'hui, c'est comme ça leurs âmes sont absentes au ciel. Est-ce que vous me comprenez? Sauf ceux qui sont absents pour des raisons de t'adoucir. Voilà. Que les saints de Dieu ont vérifié. Et c'est valable. Cela leur a toujours. L'ange dans là qui contrôle la présence, il vient devant sa chaise. Il voit absent. Il rentre dans ses données spirituelles pour voir quelle a été les raisons, quelles ont été les raisons de son absence. Et là, il trouve que c'est à cause de ce que on le critique dans l'église. On parle trop de lui. Les gens ne sont pas, les gens n'ont pas l'amour. Les serviteurs ne font pas bien leur travail. Même il n'a pas l'argent pour prendre. Alors, moi, nous, taxi pour venir. Moi, nous, quand il était dans le monde, il pouvait marcher à pied. Faire des kilomètres. Ah, ouais, kilomètres pour aller regarder un match de football. Avec quoi, voilà pour vous. Mais pour venir à Toronto, même à 2 km ici, il n'a pas l'argent. Donc, à cause de ce qu'il n'a pas l'argent. N'est pas venu. Mais bon. On va être absent. Oh, on est bon, on va et au ciel, il y a du bois. Sa chaise. Il va s'y faire.
est comme ça. Tu es ton amoani, vraiment lieu. C'est ce que le Seigneur m'a enseigné. Je vous dis la vérité. La parole de Dieu est claire dans le livre de Hébreu. De Hébreu. Le Hébreu. 10. Donc, bravo pour attends. Hébreu 10, verset 25. Je lis au nom de Jésus. N'abandonnez pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Amen. Amen. Là où le Seigneur vous a compté, là où le Seigneur Jésus a pris note, là où le Seigneur Jésus vous a amené, vous a inscrit dans le registre de cette assemblée. Sa parole dit, n'abandonnez pas. Même si ça ne va pas, n'abandonnez pas. Ne vous absentez pas. Ne reculez pas. C'est la parole du Seigneur. C'est la coutume de quelques-uns. L'habitude. C'est facile pour eux de s'absenter. C'est facile pour eux. Elle est bon, non? Ça ne dit rien. Même pour la n'y que non. Et quand vous prenez les raisons, même il tourne à votre moua de leur absence, le haut m'a pas bâti. C'est des raisons. Et n'y a pas de mouyo vraiment qui ne tient pas. Yo, comment il est debout? Je vous dis la vérité. Mais les prenez un peu là. Je vous dis la vérité. Si je mens, ne me dala pas. Puis, donc voilà, demandez encore. Bien. Demandez l'état spirituel. Bien. Pour ceux qui s'abstentent. Ceux qui sèchent le culte. Demandez comment Dieu le regarde. Regardez. Des gens qui sont absents. Même de une minute. Les gens considèrent qu'ils sont absents. Dans l'ombre, vous ne pas tu crois. Et là, non, ne figure pas dans le registre de présence. Ce jour-là. Ça veut dire que si la trompette sonnait, malgré toutes les années qu'ils ont passées,
faut que tu sois attaché. Attends de 1 minute. Attends, maintenant, celui qui est totalement absent. Amen. Que me va croire pour lui là, c'est comment? Mais quoi, il t'allait que toi, non? Donc, Yata, ne vous amusez pas. Miga plein vieux. La parole dit, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais c'est pas pour les qualifier. Mais il faut attendre à Capoeiro. Va aigner ou en tombe de lesquels dont on te parle. Amen. Nous, je vous le prends. C'est que c'est pas pour les qualifier. Mais il faut à Capoeiro. Les quelques-uns. Amen. Quand Dieu veut vous appeler, il ne nous appelle pas quelques-uns. Donc, ceux qui portent ce titre, quelques-uns, dans cette parole-là, ne sois pas parmi eux. Ou bien tu es parmi eux. Qui sont ceux qui sont parmi eux? Bon, il ne faut pas dire. On va dire, c'est parce que, bon, je suis heureusement que je suis présent aujourd'hui. Heureusement que je suis présent aujourd'hui. Il y a beaucoup qui sont présents. Qui fuient dans le lot de ceux quelques-uns. Il y a Je te demande pardon. Si tu regardes ce qui attend devant, derrière le mur, le glaboutoua, c'est que même si tout le monde rentre, toi tu vas dire, moi je vais rester ici. Voilà, comment on y a ma. C'est pas une blague. Je veux dire, people play au niveau, le plein de mon ami. Quelques-uns. Leur coutume, leur habitude. Donc, ils en ont fait une habitude. C'est pas une fois, c'est pas deux fois. Mais il y a des cas, c'est plusieurs fois. Ne soyez pas. Continue. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Ah. Exhortons-nous, fortifions-nous. Aidons-nous réciproquement. Tu vas me fortifier, je vais te fortifier. Tu vas me fortifier, je vais te fortifier. Tu vois que ton frère, ta soeur, commence à faiblir. Tu l'as perdu. Je te demande de ses nouvelles. Demandez à mon frère. Je ne t'ai pas vu au culte le dimanche. Dis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Il va te dire, oui, c'est vrai. Effectivement, je suis dans un moment de faiblesse. Soutiens-moi dans la prière. Donc, sans le photogramme. Tu peux le gagner. Et si lui-même a choisi, on est en train de te dire non, c'est rien. Mais on va bien. Nous sommes les Tout va bien faire, mais nous sommes les mêmes. Tu ne sais pas la grâce que le Seigneur te réserve chaque dimanche. Mais il y a un nouvel étape de plus longue à considérer sa considération. Non, je suis fatigué. Non, ces gens-là. Amina. Moi, j'ai trouvé une autre église dans mon quartier. Mais quoi, toi, tu peux vous le dire comme c'est là le Seigneur m'a dit d'aller. Après, toi, pour le moment,
Donc c'est là le Seigneur t'a dit d'abord. Ah, il m'a apporté mon bon aïe. Tu as abandonné ton assemblée. Mais pourquoi ça là? Là où ton nom est écrit dans le livre. Ah si, comme mon corps de. Quand on parle du livre de vie là. Nous le pourquoi qu'on parle. Chaque église aussi. Ah, mon destin. Là où tu as reçu le Seigneur. Qui m'a écrit le croyez sur nous. Tu es baptisé. Où que tu t'en. Dans la scène d'entrée, j'ai dit, dans la scène d'entrée. Le nouveau théâtre de Béboum. Les églises qui ne sont pas dans la scène d'entrée. Toi, tu es le nouveau de Béboum, moi. Ils n'ont même pas d'église. On ne peut pas parler. Comment tu es sur le Béboum? Les chrétiens qui sont dans ces églises. Et toi, tu es au Béboum. Tu ne peux même pas figurer. Dans un registre ancien. Le Béboum va parler avec moi. Ce n'est pas possible. Martin Vamo. Ce n'est pas possible. Martin Vamo. Il n'y a pas un registre de vie pour les 1,5 milliards. Non, milliard beaucoup. 1 milliard 500 millions. À milliard beaucoup de chrétiens catholiques. Christ autant, catholiques autant. De catholiques religieux. Je ne vais pas dire chrétien. Catholique. De catholiques. Il a où religieux romain. Catholique, il a où Roma, church, il n'y a pas un livre. Dans lequel on peut écrire le nom de quelqu'un. Il te voit en la vie au ciel. Le dipou. Il y en a pas. Mais il y en a pas. Mais il y en a. Les églises sont ouya ouya. Ouya ouya. Mais toi tu es allô. Où tu peux entrer. En pique la vie ma gueule. Comme dans le petit marché du quartier. Et tu peux ressortir comme tu veux. Tu peux aller comme tu veux. De la manière tu veux. Aller ne ces églises. Il n'y a pas de registre pour eux. Pour qu'on écrive leur nom. Il te voit un robe encore de mou. Il n'y en a pas. Mais lui. Parce que. Elle a peur. La scène d'entrée. Il y a des bibouas. N'est pas pratiqué. Mais le ouan, tu dois la fimer. Donc. Il y a ça. Le Seigneur t'a fait grâce. Après toi, mon bon ou. Et il t'a sorti, c'est pas toi même. Il y a eu un combat. Il y a eu un combat. Il y a eu un combat. C'était pour certains là, le combat était féroce. Pour certains, le combat pour quitter catholique là. C'était un combat de vie et de mort. Pour certains, le combat pour quitter. L'église de Ouya Ouya. Ouya Ouya Behamewa. L'église de Jézabel. Jézabel Behamewa. L'église de la voix là, l'âge. Un mot que l'église de la mort. Un coup Behamewa. C'était pour quitter là. Namorobo Atua Pima. C'est combat féroce. Abatino, abatino, nous mangeons. Et le Seigneur a gagné. Hier après toi, hier soir, du chi. Pour qu'il soit. Benanatim non. Dans le vrai. Le Nyatepiame. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu le dire. Voilà le vrai. Mais le Saint-Esprit lui-même les a convaincus. Voilà le vrai. Et tu es venu. Tu es passé par tout le processus. Et ton nom est écrit dans le registre. Tu as vu tout ça. Mais quoi il y a 4 ans. Et tu as quitté. Yeah, les deux. Attention. Et d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Vous voyez, l'une des raisons qui doit nous pousser à Tudjumi. C'est cette petite phrase. Et il y a-t-il Bible d'autant plus
ce que vous voyez s'approcher le jour. Quel jour? C'est quel jour? Qui me répond? Quel jour s'approche? Oui, bien aimé. Après toi, le jour du Seigneur. Oui, c'est quel jour? Pourquoi ça pas le jour ici? Il m'a dit quelqu'un. Vous ne connaissez pas le jour. Bien aimé. Hein? Le retour de Jésus. Après Jésus, ton trompe. Acclamez Jésus pour ça. C'est le seul moment de cas. C'est que. C'est la plus grande raison. Et t'as vu une gamme toi. Qui doit pousser. Et que tu mis une question quelqu'un. À rapprocher davantage du Seigneur. Mais là. À rester. Non. Demeurer. Mien dans le troupeau. Le poème. Dans lequel il va. Il te met au promis. Intégré. Quand allô? Regarde. Voilà. Pour sortir. Bateau. Une seule brebis est garée. Enlevez les cailles que le bois. Tu montes. Le. Qui comment? Pour venir ici. Voilà. Pour venir. Voilà. Va prier. Prier. C'est un grand combat. Ah, pas quand même. Mais quand il vient te déposer. Voyez, au corps va d'aller boire. Il ne croise pas les bras. Mais toi, alors, toi, dans l'homme. Il retourne encore. Et là, toi, tu. Dans le monde. Et viens. Pour aller encore chercher d'autres. Pour aller dire beaucoup. Pour amener encore. Pour aller à ton bas. Et quand il amène. Non, okay, il fait un travail. Et on entend. Il va enlever. Et là, dit. Les anciens vêtements. Ah, pourquoi? Les vêtements du vieil homme. Ah, pourquoi pas où? Les vêtements. De la colère. Les vêtements de la drogue. Les vêtements de l'ivrognerie. Les vêtements des paroles vaines. Les vêtements de la haine. Les vêtements de la colère. Les vêtements de l'impudicité. Il nettoie les déchets. Il nettoie les déchets. Il nettoie les déchets. Il nettoie tous les déchets. Là, Dieu, tu vas maintenant te revêtir. Oui, mais attends, toi ou non? De nouveaux vêtements. Ah oui, oui. Vêtements. Ah oui. De nouvelles créatures. Nous, on voyait, il peut. Ah oui. Vêtements de la nouvelle naissance. Didi, il peut. Ah oui. Vêtements qui fait. Ah oui. C'est un seul délicat. Il peut, on a. Et l'évangéliste international. Maintenant il fait ça. Et puis il y a un moyen pour voir que ah, ben, même si le travail n'est pas fini, ben, donc, bon, hein, son esprit va continuer. Il veut quoi pour là pour toi et pour toi. Maintenant, et puis, il va encore aller dans le monde. Ah, il est quitté avec pour aller chercher le corps. Mais au moment où il est dans le monde, et puis, il veut qu'il y ait le qui t'aime. Pour chercher. Mais on va dire, c'est à ce moment que le hymne. Il voit que. Yo, quoi maintenant? Le bon. Tu as quitté le tout. Elle est toujours le. Il te cherche. Elle est toujours le tout. Mais le bon. Il te cherche. Elle est toujours le tout. Mais le bon. Il te cherche. Elle est toujours le tout. Mais le bon. Aïe. Est-ce qu'il sera content? Tu es à quoi, dis-toi? À ta place, est-ce que toi tu seras content? Le haut de Bélé, les voilà quoi, dis-toi? Pour certains, non, leur travail. Où est-ce de restauration. Non, 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 non. Ça dure. Un fournaïque. Parce que le cœur était. Elle avait un diable. Il faut bon. Il faut approfondir. Elle est bon. Il faut de chirurgie. Spéciale. Pour certains, ça dure un an. On a peut-être même ça dure 5 ans. Mais le Seigneur n'est pas fatigué. Il prend tout son temps. Et tu as vu, Yokata? Il prend tout son temps pour les laver par sa parole. Par sa parole. Par
lopu pe chikoko ke sapa iken ye benya ele repeti eyo tro tuna una o be iba fe tout ça ye wa wo yo kata ti wa ru tuna ko ye wo la ka ton to ai de bam un paso no me meña bio L'autel spirituel, c'est la sainte doctrine.
C'est l'autel là qui met Dieu la présence de Dieu. Comme l'arche de l'alliance. Je vous dis la vérité. Donc tant que l'autel est ici, l'autel c'est pas ça. L'autel qui maintient la présence de Dieu dans notre alliance, dans l'alliance, dans la nouvelle alliance, c'est la Sainte Onction. C'est ça qui maintient la présence de Dieu. Quand la Sainte Onction est profanée, banalisée, c'est fini. L'Esprit de Dieu se retire. Mais il ne va pas loin d'abord. Il se tient à l'écart pour chercher. Est-ce que parmi eux, quelqu'un va prêter attention pour chercher ma face, pour que je lui parle, pour dire que je ne suis plus à l'intérieur, mais que je me tiens dehors. Et je veux que mon hôtel soit restauré pour que je le tue. Il va toucher des cœurs. Il va susciter. Il va donner des visions. Des prophéties qui ramènent la crainte. Des prophéties qui ramènent l'amour de Dieu. Et si le berger, entre temps, les imams n'étaient pas allés, mais tisser autre alliance. Et si le cœur est encore sensé pour écouter, et en écoutant, il s'écrit. Il dit, Seigneur, c'est toi qui as raison. Oui, t'as raison. Nous avons tort. S'ils agissaient comme nous et Néhémie, l'Esprit de Dieu revient. La trompe va. C'est comme ça se passe. Mais si la vie de Saint-Denis va jouer, tes choses souillées commencent par remplir la maison de Dieu. L'Esprit de Dieu se retire. Et si les oreilles sont restées sourdes aux avertissements, aux mises en garde, il ne reste plus dehors. Mais il s'en va. Toutes les âmes sont ouvertes. Ça n'arrivera pas ici au nom de Jésus. Mais vous, petit troupeau du Seigneur, ne vous amusez pas avec votre salle. Je sais que tu quittes très loin. Mais il y a le tour du diplôme. Mais je suis sûr. Bon, mais quand dit que si Jésus se tient, venez Jésus-Christ au noté. Debout à Cotonou. Le Cotonou. Et il dit, il y a un problème. De marcher de l'autre. Venez à le papa. Pour venir le voir là. Il va t'amener au ciel. Quoi, quoi, tu bois. Même si tu meurs sur la route là. Le plus moyen. Hein. Même si ton pied est comme ça, là, pour okay, tu vas continuer la marche. Voilà, tu vas continuer à faire comme ça. Tu vas continuer. Voilà quand on y a ton ami. Qui va continuer? Mais là, qui va marcher de l'homme avec là, pour Jésus? Le maïs de Cotonou. Mais il est pour. Maintenant, il est ici. Quoi, elle a pire. Et tu es à quelques kilomètres. Et pour venir une seule fois peut-être. Pour l'adorer. Tu trouves que c'est compliqué. Tu n'as pas l'argent des ailes.
Si je viens maintenant, là, c'est le même paille que je porte tous les dimanches. Les gens me regardent trop. Je n'ai pas le moyen. Quand le Seigneur me bénit là, c'est là que je vais, tu es venu au culte. Je te dis, si tu as ça dans ta tête, tu ne connais pas encore la valeur du salut que tu as eu. Mais on va que le de Dieu, si c'est comme ça, que tu prends ton salut, si ton salut est limité à ces choses-là, c'est quand tout va bien que toi tu vas adorer Dieu. Tu ne connais pas encore la valeur de ton salut. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Dans l'église primitive, le Ham devant toi, il y avait un seul temple. Mais nous se réunissons. Mais les gens qui étaient aussi loin. En ce moment, il n'y avait pas de moto. C'est les plus riches de ce temps-là qui pouvaient s'offrir un âme. Les plus riches de ce temps-là. Les imams qui pouvaient s'offrir un arbre. Waouh, la tima en santé. Vous voyez comment un arbre marche. Et quoi, le pays en a. Vous faites des kilomètres. Ben, waouh, petit haut. Notre Seigneur, n'importe où, il marchait un son là. Des kilomètres. Petit en enseignant. Le mpien. Dans les rues. Le monde. Le tuome. Il marchait des kilomètres. Un son à petit beaucoup. La seule fois. Il a demandé yo bien à monter un âne. C'était quand? Il était en train dans Jérusalem. C'était l'an de la fête. Ensemble. C'était pour accomplir une prophétie. Pour montrer que lui, il est réellement le roi. C'était pour accomplir une prophétie. Sinon, tous les autres jours. Ne menons pas de cocotte. Ce moyen de déplacement et moi sont connus de tous. Il que tu sais, c'est qui à pourquoi? Si il doit aller dans un village, ah il ne court pas le mer. Où il faut forcément traverser l'eau. Yo le bois tout toi. C'est là qu'il va monter dans une barque. Ah puis ma yo sont à clou, à dos à clou. Dans une barque. Ah sont à dos à clou aujourd'hui nous. Et dernier wa. On a les moyens. Mais nous monde. Mais voilà. Pour des maisons qui ne sont pas nous. On a des problèmes à venir adorer le Seigneur. Si tu n'adores pas le Seigneur, qu'est-ce que tu es sur la terre? Tu es qui sur la terre? Tu représentes encore quoi sur la terre? Si tu n'adores pas Jésus. Le de Dieu, en tout cas, c'est dans ce sillage que le Seigneur veut que nous travaillons. Le moyen, il n'y a pas de quoi venir en temps. Aujourd'hui. Eh ben. Alléluia. Amen. Si le Seigneur te regarde, non, pas toi le pouvoir. Comment il te trouve? Qui sont ceux qui reconnaissent ici que de mauvaises herbes sont encore dans sa vie? Qui sont ceux qui reconnaissent que les mauvaises herbes ont encore dominé les bonnes semences qu'il y a dans sa vie? Oui. Quelles sont les mauvaises herbes que toi-même tu sens que c'était arraché, mais c'est revenu. Oui.
ma manière de prier a diminué. Ça a diminué. Ma manière de rester devant la face du Seigneur n'est plus comme ça. Ton endurance dans la prière, dans la présence de Dieu, ça faiblit. Comment aussi j'entendais quand le Seigneur me parle, j'entends ça. Je n'entends plus sa voix. Je n'entends plus sa voix. Et comme je dis, tu n'as plus une bonne connexion auditive avec le Seigneur. Et j'ai eu un peu de découragement. Je remarque dimanche, je ne suis pas arrivée. Je dirais de lundi jusqu'à dimanche, je ne suis pas arrivée. Considère devant y'a émetté pour Kakawana. Quand le dimanche passé, tu faisais partie de quelques-uns. Et c'était spécialement à cause de quoi le dimanche que tu n'étais pas là. Je n'étais pas là parce que j'avais fait un jeûne à fruits. Et comment tu dis donc à tu rester? Semaine se passait, la semaine qui a suivi. Et j'étais un peu fatiguée. Je n'avais pas les moyens. Ce que j'avais donné mes enfants d'arriver. Et qu'il y a fait que je n'étais pas arrivée. Et que vous avez été bon. Jésus. Je suis fatigué, mets-moi au dos. Si tu avais demandé à Jésus, Jésus, je suis fatigué, mets-moi au dos pour parvenir. Est-ce que Jésus ne va pas exaucer? Est-ce que Jésus ne va pas exaucer? Tu vas exaucer? Alléluia. Amen. C'est fini? Amen. Voilà son cas. Elle a cité beaucoup de choses très pertinentes. Elle a vu que sa connexion avec le Seigneur est devenue faible. Qui sont ceux qui sont dans le même cas que elle? Wow. Ma fille Rebecca, dis-moi, qu'est-ce qui a affaibli ta connexion? Shalom. Shalom, ma fille. Moi, parfois, avec lumière, j'arrive plus à la matation. Je n'arrive pas à faire face. Mais quand mes yeux voient, quand mes oreilles attendent, après, je prends la Bible, je demande Dieu, ça va me dire quoi? Et ça devient tes sémences à nous pour prier. Tout il y a des conditions. Et c'est quoi? En regardant autour de toi, à quoi, Chao, tu vas y le zèle qu'il y avait avant et tu es est diminué. Et dit, le mardi parce que je ne sais pas là. Pourquoi le mercredi je ne sais pas là. Pourquoi mais le Seigneur sait pourquoi il ne sait pas là. Pas le mardi, je ne peux pas dire que le Seigneur le sait parce que pas pour la chair m'a dominé. Donc, je me réveille à 4h. Je fais aussi certaines prières avant de dormir. Et je me réveille à 4h, je fais ma commesse. Ah ouais, je suis revenu, ça m'a affaibli. Le mardi, j'ai fait l'entretien, j'ai mis les chaises. Voilà, même les yeux me fait tellement très mal parce que je n'ai pas dormi. Et j'ai dit les frères, je ne serai pas là. Un problème matin. Le mercredi, pourra quoi? Vers 10h, j'étais allé chez un frère qui est tellement malade. Je l'ai fait la lessive. Je l'ai fait beaucoup de choses. Jusqu'à ce que je quitte la paille, il était 16h30. Et je n'ai pas pu aller à l'évacuation. Je m'étais donc, c'est ça qui est mon absence dans cette semaine. Mais, papa, tu n'as pas répondu totalement à ma question. Je demande ta connexion avec le Seigneur. En dehors de tout ce que tu as cité, la semaine écoulée, maintenant,
ta connexion avec le Seigneur actuelle, par rapport à quand tu avais reçu le Seigneur, où le feu et toi était vraiment rempli, où tu c'est que pour toi c'est Jésus ou rien. Jésus passe avant tout. Yes, donc, et après tout. Est-ce que c'est la même connexion actuellement? Non. Voilà. Maintenant, je demande, qu'est-ce qui a affaibli la connexion? Qu'est-ce qui a diminué cette connexion? Qu'est-ce qui a diminué le feu? Pour ne pas dire qu'est-ce qui a été le feu. Pour certains, le feu a déjà été complètement éteint. Pour certains, c'est lui. Ce qui a diminué le fait à moi, la joie qui était le mien pour lui. Et que tu parce que si tu as la joie et tu pries, tu sens la présence de Dieu. Mais lorsqu'il n'y a plus la joie, tu sens la joie. Et tu es en commission, tu ne comprends rien, tu ne comprends pas le fond, quoi. Mais laisse-moi ton comment. Tu te mets à l'amatation. Et elle est pour lui, papa. Moi-même, je sens que je suis en commission. Amen. Une autre personne. Oui, bien aimé. Le frère. Ah d'accord, un instant, oui. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Comme vous nous avez demandé pourquoi et comment je sens actuellement. Ma connexion d'abord a diminué avec Dieu par rapport au début de... Parce que j'ai vu comment on a commencé. Comment il y avait le feu du Saint-Esprit parmi nous. Comment il y avait l'amour entre nous. Comment il y avait beaucoup de partage entre nous. Comment si on remarquait l'absence de l'autre, comment on cherchait la personne, tout ça là, j'ai dit. Tout ça l'a affecté ma vie. Parce que dans beaucoup de fois, tu vas chercher, moi je continue jusqu'alors, si je ne vois pas c'était, je cherche. Même toujours leur propos, c'est sur une seule chose. Le parfois je me pose des questions, Seigneur, où tu n'es plus dans Jésus revient. Mais je me dis que moi je dis si je veux mourir, je dois mourir dans Jésus revient. Il y a des choses qui se passent, même quand entre temps il y a beaucoup de choses qui s'est passées. Il y a la mort qui est rentrée même à l'église. Moi, je suis venu en veille de prière et rentrer, être braqué. Ça m'a beaucoup travaillé. Et il y a une connexion, la manière dont avant, quand je prie, je sens la présence. Il y a une connexion entre Dieu, c'est diminué quoi. Parce que je peux dire le mot qui englobe tout ça là. Moi j'ai du doute. J'ai du doute, je dis vraiment, est-ce que Seigneur Jésus, Seigneur, est-ce que tu es encore avec Jésus revient du tombeau? C'est vrai, la parole nous a dit si on est appelé, on ne doit pas s'attendre toujours au bien. La tempête va rentrer. Mais si dans cette tempête, tu vois que tu n'as pas le soutien de ceux qui peuvent te soutenir, tu vas commencer à te recaler. Et dans le calme, tu vas commencer de murmurer le péché. Cela aussi pousse que le Saint-Esprit aussi se recale un peu de toi. Dans ça, moi, je le reconnais.
Lève-moi, mais toujours je sais que le Seigneur est avec moi. Mais je sais que mes pas vers Dieu, oh Dieu. Parce que c'est à cause de comment faire moi mon église, Jésus me vient pour avancer. Allez, c'est moi mon désir. Et revenir comme on avait débuté. Amen. Chacun donne ses raisons. Mais je ne sais pas si ces raisons convainquent le Seigneur. Je vous dis, les conditions dans lesquelles nous adorons le Seigneur dans notre génération sont les meilleurs, les plus agréables par rapport à avant, sans tonton, par rapport à certains pays. Non, et toi, je vous dis et je répète, les conditions dans lesquelles nous adorons le Seigneur sont les plus agréables par rapport à cette vie. Dans ce siècle, vous avez vu la persécution des apôtres, les premiers chrétiens. Vous avez vu comment Étienne a été lapidé avant. Quand il parlait de Jésus. Vous avez vu comment les pierres de Paul ont été traitées. Vous avez vu? Bon. Entre ces conditions-là et la condition que tu considères que c'est difficile ici. Si on te demande de choisir, si Jésus te demande de choisir une des conditions, tu vas choisir quelle condition? Alléluia. Si j'étais au temps des apôtres, je vais choisir celle d'apôtre. Comme je suis au temps de la grâce. Non, on va répondre cela. Oui, le Seigneur est capable de t'amener même à la condition. Tu seras amené à être décapité. On continue de décapiter les chrétiens aujourd'hui. Si tu veux que le Seigneur t'amène dans un pays où tu seras décapité pour sa gloire. Je veux choisir celle de maintenant. Si tu es d'accord avec elle, acclame pour Jésus. Alléluia. Amen. Je donne l'exemple. Père à tes saints. Pardon, tu es avec vous. Vous êtes au Togo. Mais le Togo va un pays qui est. Du coup, favorablement favorable à l'évangile. Ou bien est-ce que je mens? Je vous dis, quand vous prenez les pays comme Togo, Bénin, Burkina, c'est que c'est un pays francophone de l'Afrique de l'Ouest. Afrique, et anglophone aussi. Le anglophone. C'est que servir le Seigneur. Les conditions sont favorablement. Si on va comparer. Si je vais comparer par exemple les conditions d'adorer le Seigneur par rapport aux conditions d'adorer le Seigneur au Niger, il n'y a pas de comparaison. Au Niger, le Niger, pays 95% blasti de que voit-on dans le monde. Quand tu parles dans cette quartier même, quand tu parles de Jésus, là, tu disparais. La bouche est là. Tu disparais, même si la bouche est là. On te voit en train de te lapider, de te frapper là. Non, pour le football, si on te demande, ah, non, bien, oui. C'est parce qu'on a vu Bible dans la Bible. Bon, des gens vont même acclamer. À moi, la fois, si, que ton tien.
Les frères qui adorent le Seigneur actuellement là-bas, les deux cellules qui sont là-bas, ils ont déjà changé de maison plusieurs fois. Parce que les maisons là-bas, ils louent, ils ne peuvent pas dire que je vais faire église, non. Donc c'est maison louée pour habitation. Maintenant, quand ils louent, et les frères vont commencer, les frères et sœurs vont commencer à rassembler là. Ils vont commencer par adorer le Seigneur. Quand le propriétaire le sait, automatiquement, c'est out. Parce que le propriétaire est musulman. On ne peut pas parler de Jésus dans sa maison. Donc, ils sont de maison en maison. C'est les conditions dans lesquelles la facilité que vous avez ici pour donner la Bible, pour aller crier dans les rues, si tu es pressé de mourir pour entrer vite au ciel, prends ta Bible. Je te dis la vérité. Les conditions ne sont pas les le Seigneur m'a fait grâce. De connaître la situation. Regarde. Voilà. Les frères et sœurs qui sont en Europe. Non, vu l'Europe, la facilité que tu as. Nous, papa, il peut regarder. Voilà. On peut gâtir, on peut taper les mains, on peut crier. Et c'est rare fois que yes. Voisin va venir te dire, ah, vous me pétez. Là-bas, en Europe, là, on ne va pas venir te dire, tu me pétez. On ne va pas te dire, tu me pétez. Non. Ah. Le propriétaire vient faire. Après, toi, quoi, tu as beau. Ou soit, allô? C'est la gendarmerie qui vient. Ah, pour Vito, là, quand il vient, il demande. Moi bien, il n'y a pas d'explication. Comment et ça, c'est encore les meilleures conditions. Et il y a un bagnon, mon mieux. Il n'y a pas une seule fois que les frères de la France, les frères et soeurs de la France, peuvent aller dans la rue pour aller évangéliser. Ah, il est moins ça prend pas d'autorisation. Il y a pas de chance. Ah, il y a un monde qui a un monde. Et ça va être quartier par quartier. Et là, si il doit aller évangéliser dans tel quartier, non, là, quoi, là, c'est le préfet du quartier qui doit autoriser. Si lui refuse, même si vous détenez autorisation du préfecture, vous ne pouvez pas venir évangéliser. Dans un quartier, vous allez présenter l'autorisation. La police dit non. Tourne à l'ordre public. Et vous chasse. Mais les homosexuels, les LGBTQ, ils vont se mettre nus, sauter, taper, faire tous les bruits. Et personne ne va les toucher. Et eux, ils sont en train d'exprimer leur liberté. Pour les chrétiens, on appelle ça endoctrinement. On va te dire, garde ta foi, comme un seul. Le tu n'as pas le droit d'aller parler de ta foi à l'autre. En Belgique, même on ne va pas te donner autorisation. Le Belgique, on a moins de donc, ils se sont obligés de voir
Est-ce qu'il y a un policier dans les rues? Oui, le monde montrer les pancartes comme ça. Attends, ils vont encore cacher. Ils vont montrer un peu. Ils vont cacher. Évangéliser avec la peur. Et c'est Europe. Et il y a l'Europe qui parle de pays de démocratie. Et le concours de liberté. Et pour pourquoi quoi c'est dans ça? C'est tu vois mais moi les gens. Les musulmans, moi c'est l'encamp. Eux ils n'ont pas ce traitement. Dans ce même pays vous allez voir les musulmans occuper les rues. Pendant le Ramadan. Le Ramadan. Ils vont occuper les rues même jusqu'aux Champs-Élysées là. Voilà pour moi la carte. Ils vont occuper les rues. Voilà pour moi la carte. Eux, ils ne dérangent personne. Et ils ne constituent pas une menace. Ce qui constitue une menace, c'est les chrétiens. Mais pourtant, dans ces pays, il y a toujours un reste. Le tien aussi. Et ceux qui attendent le Seigneur dans de telles conditions difficiles par rapport à toi. Now, regarde l'air entre. Et l'air là même ne suffit pas. On a ventilé encore pour toi. Mais tu sens des piqûres. Les gens n'appellent pas les gens. Non. Ici, il n'y a pas d'amour bien. Les gens critiquent trop. Les gens parlent trop de gens. Je te dis, quand vous allez vous retrouver au portail du ciel, quand on va faire le rang, la parole de Dieu, le Seigneur a parlé. Dans Ézéchiel 34, il dit, je ferai le tri. Je jugerai entre brebis. Parce que sur la terre, là, là, ils ne m'ont pas adoré dans les mêmes conditions. Ils ne m'ont pas adoré dans les mêmes conditions. Ceux à qui j'ai fait grâce. De m'adorer dans les meilleures conditions. Mais qu'ils ont pris ça, ils ont pris tout leur temps pour se dénigrer, pour se haïr, pour se humilier, pour se détester. Celle-là, à moi, quand ils vont se représenter, le Seigneur a dit quoi? Celui à qui on a demandé, on a donné peu, on a vu celui-là. On va lui demander. Mais celui à qui on a donné beaucoup, on va le réclamer. On l'a bien beaucoup. Oui, on va le réclamer. On l'a bien son bon. Les chrétiens qui ont gardé la foi en Égypte, les Égyptiens, le traitement sera forcément différent. Parce que les conditions ne sont pas les mêmes. En Inde comme ça, tu ne peux pas parler de Jésus. Dans certains villes, vous allez voir écrit debout comme ça. Les gens vont encercler et mettre feu en plein culte. Ces chrétiens se fuient. Ils ont le bâton en haut, le bois mec. Et l'achevé. Et tout le monde va mourir à l'intérieur. Vous n'avez pas cette situation. En Chine. Vous parlez de Jésus. La seule église qui est autorisée en Chine, que je vous ai déjà dit que c'est pas l'église, c'est catholique. Et même catholique là, la Bible qu'ils utilisent là-bas, malgré que la Bible catholique est dirigée, pour la Chine, c'est encore différent. La Chine, tu as pour la Chine là, non, Chine. C'est qu'on a versé
distribution là. À cause de l'idéologie politique du pays. Il considère tout ce qui est adoration envers une entité spirituelle comme une menace. Parce que pour eux, c'est le président du pays qui est comme leur Dieu. Le roi quoi tu maunao donc sujet de voile ta force benya c'est problème qui on et le dieu yabo mawa officiel du pays il que le peuple le jamais c'est le dragon et il est dragon vous connaissez le dragon il est dragon alors Satan bon tripa Lucifer c'est pour ça que et yabo il ne fait pas janvier ils ont l'air on doit ton point et leur pays c'est ça on appelle pays du dragon. Et tu m'en avais pointé par oh, dans la Bible, le dragon. Le bon, c'est qui le dit le pays tout entier est dédié à Satan. Il y a un petit reste dans ce pays. Et voir, porter le corps de l'homme. Pas de Jésus. On et ils vont aller se cacher dans des villages reculés. Dans des collines, ils vont placer des sentinelles à même quelques kilomètres qui vont monter sur arbres pour surveiller au moment où les autres sont en train de d'adorer le Seigneur. Les sentinelles vont monter sur le tableau en train de surveiller quoi? Est-ce qu'il y a un policier qui a été informé de leur emplacement pour venir vers lui? Et quand la sentinelle voit un mouvement suspect, est-ce que c'est un policier? Est-ce que là? Rapidement, il va descendre. Elle a courir de toute sa force. Pour aller alerter les autres. Et tout le monde va se disperser. Chacun va aller se chercher dans les grottes. Là, se cacher. Vous parlez de Jésus. Entre toi qui es sous brasseur et quelqu'un qui adore Jésus dans cette condition, est-ce que vous voulez le même cadeau au ciel? Le cadeau ne se voit pas. Je vous dis la vérité. C'est pour ça que le Seigneur dit passez par la porte étroite. Et après je vous dis la vérité. Il y a pays même là. Et toi, nous, la Bible ne rend pas. Bon, moi, la Bible ne rend pas. Tu vois, mon la Bible est Corée du Nord. Même si tu es Corée du Nord. Le pasteur américain a essayé. Oh, comment il dit que lui là. Mais ya ya. C'est que lui va relever ce défi. Ben ya ha, parce que quand il est ben ya il a attitude de nom. Il s'est déguisé. Il est au trop en touriste. Ah ben là, moi son là. Il a pris la Bible, il a masqué. Et au trop Bible, il au trop Il a fait. Il au trop que le diable. Il l'a attrapé. Il a la prison dans laquelle il est mort là. Gakwa et comme au coulé. Quand on te décrit la prison. Non, de Gakwa Pion. C'est comme ça les gens vont rester. Oh non, avec eux. Comme ça. Les cas. Comme ça. Les cas. Ton pied ne va pas toucher le sol. Oh, tu es comme ça. Oh, à format quand ils font. Et ouais, on va faire à point. Comme ça. Les cas. Jusqu'à mourir. Il n'y a pas avocat, il n'y a pas juge. Bon, il n'y a pas quelqu'un qui va dire. Il y a quelqu'un qui est en prison ici. Parce qu'eux, ils ont déjà leur Dieu. Qui est le président. Donc, il ne rentre pas dans le monde. On ne parle pas de Jésus. On a envoyé son traitement. Quand vous priez, est-ce que vous priez pour les gens de ce pays? Donc c'est pour vous dire que vous à qui le Seigneur a fait la grâce, vous
de l'adorer dans des conditions optimales, dans des conditions confortables, dans des conditions acceptables. Et vous utilisez ces conditions. Maintenant, au lieu d'être excellent, pour devenir désagréable. Au lieu d'être scellé, de profiter au maximum, dans certains pays, là tu vas nous même. Donc tu vois les petits amis, on ne sait même pas quand est-ce qu'ils pourront en avoir. Et là, au moins il y a une totale la peur. Regardez, voilà. En Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. La région de Mar où le Seigneur est en train de faire un travail excellent. Et le temps. Où presque tout un village est en train d'accepter le réveil. Je vous dis, le frère que le Seigneur dit là. Non, il a fait le temps. C'est que à peine il s'est mis. Est-ce que ce n'est pas toi, toi? Pour lui même là, tu auras pitié de lui. Là, là on plaît, nous. Mais nous, le mouvement. Quand on dit villageois, il y a villageois. Nous, mais comprends-toi. C'est ça, le Seigneur. Voilà, tu as dit à toi, ton chien, Benawan. Et il fait le travail comme il peut. Elle a dit, mais comme le Seigneur dit, après, il utilise qui il veut, mais il, a et il n'a aucune limite. Et même seul pour le les prédits l'obéissent. Et l'a pour le prostituer. Voilà le bon sens. La pire, c'est la fête. Après, ton nouvel ami. Même si je choisis un certain si vous dites, bon, non, mais tiens, la va rester là-bas. Mais va y aller. Je ne sais pas combien de temps il y a cette vie. Mais il n'est pas c'est un village. Elle avait une compote. Si tu n'es pas paysan, tu ne peux pas rester. Même une compote, on a dit non, mais le Seigneur fait un travail. Va apporter le water, la piment. Le fou. Le Seigneur vous a donné. Apporte ton ami. Des serviteurs. D'autres là. Intellectuels. Il y a au Kenya, au Man. Qui peut. Il y a dans la sainte doctrine. Il y a un piment. Qui peut prendre la vie comme ça. Préparer l'enseignement. Vous recevez du bon nuit. Vous pensez que aujourd'hui on a mangé trop de poissons. On veut viande. C'est on donne viande. Non, on a mangé trop de viande. On veut un peu champion. Il est dit champion. Un couteau. C'est vrai, on a un bon père. Nous le tenions. On fait beaucoup yéyé. Ah ah, on a un peu. On fait un peu de caprice. Yeah, on a vous avez de... que tes caprices te détruisent. Alléluia. Amen. Soyez reconnaissants. Parce que l'évangile souffre dans le monde. Je vais dire la vérité. L'évangile souffre dans le monde. L'évangile souffre. La société est combattue aujourd'hui. L'évangile est l'évangile. Et puis, la sainte doctrine. Les églises qui ont accepté la compromission n'ont pas trop de problèmes. Il y a le système. De la compromission mise en place par la théologie. Et quand tu es dans le système, on voit que tu parles le même langage que certaines portes vont s'ouvrir pour toi. Tu peux organiser ta croisade. Même dans des pays compliqués. Tu sais ce que nous tu vas organiser ta croisade. Là où tu te pognes, tout va se passer bien. Parce que tu es dedans. Elle avait le moto. Tu n'es pas une menace. Mais tu viens seulement pour parler de l'âme de Dieu. Vous donnez seulement des prophéties sur la prospérité. Même on va te mettre tapis rouge. Ah, Watima doit avoir vous dire la zone. Tu n'es pas une menace. Mais quand tu viendras parler de répentance,
c'est les chrétiens même, les pasteurs même de ce pays qui passent en bas. Tu n'en crois pas. 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 L'évangile souffre dans le monde. Tu n'en crois pas. Tu n'en crois pas. Le vrai évangile souffre. Tu n'en crois pas. Tu n'en crois pas. Donc vous qui avez reçu la grâce. Tu n'en crois pas. Tu n'en crois pas. Je ne sais pas comment vous mesurez cette grâce. Je ne sais pas comment vous mesurez. Parfois, quand on en parle, il y a votre conscience se réveille un peu. Mais après, vide quoi? Vide quoi, Batina? Ça, c'est ting. Vide quoi, Batina? Batina. Regardez, vous avez la grâce ici de me recevoir. La et ceux qui sont à Kala. Amoyo le Kala. Et ceux qui sont à Kala. Et amoyo le Kala. On est allé à Kala une fois. Oui, Kala, j'ai le cas. Et ceux qui sont au-delà. Amoyo le Okoto. Je vous dis, la mission, donc, à guider les. Là, je vous dis, ce que ça nous a coûté. Regardez l'effectif. Regardez la moisson que le Seigneur a gagnée. Presque dans toutes les quatre églises, l'effectif était comme ça. Et la de Jésus. Ils n'ont pas eu de conducteur comme ça ce jour. Au moins, toi, avec les jeunes gens que le Seigneur. Et Dieu, quoi, pour toi, tiens. Le secteur que le Seigneur a utilisé puissamment. Amen, car pour toi, le Seigneur. Le secteur qui est. Avec le bon accueil. Et. Son temps. Poussionner. Les autres. À mon côté, aux autres. Depuis près de 3 ans. Et pour être conclu. Et c'est cette année que. Et on a pu aller là-bas. Et oui, bah, parce que même pas aller. Et là, oui, bien, il t'en. Le vol est très cher. Ben ami, à nous, il y a vos voix. Le Seigneur nous a fait grâce. Bon, après toi, mon ben ami. On est allé au Libéria. Libéria. C'est un petit troupeau. Mais comme le Seigneur nous a dit, même si c'est 3 personnes, même si c'est 2 personnes, ben ami, vous voyez, nous, deux, bon, regardez. Mais quoi? Regardez son sang qu'il a versé. Mais il faut que vous venez qu'on a là. Vous venez nous sauver. Oui, donc, aucun prix. Il faut élever. Mais pourquoi vous devez vous gagner une seule. Ben noir de nous voir quand on a bon. Effectivement. Mais on a payé le prix. Comme le Seigneur a payé le prix. Aller au Libéria. Mais il Libéria. Et ça n'a pas été facile. Parce que mon parrain, c'est un pays anglophone. La venue anglophone. Même le Seigneur fait grâce. Ils sont reçus. La Sainte Doctrine. Le drapeau de la Sainte Doctrine. Il fait des bons à plein gala. Au Dieu a mis la vie. Mais la manière dont j'ai pris ma voiture pour venir ici facilement. Allez, me tourne vous pour papier, mon bonheur. Est-ce que je vais aller facilement là-bas comme ça? Mais maintenant, il est le je vais faire trop de calculs. Ma voix continue. Je veux voir d'abord, est-ce qu'il y a les moyens disponibles? Et je ne suis pas sûr de pouvoir y aller. 2 fois en 1 an. Si pour le cas, mais en 1 année, bon, pour le cas, je viens ici plusieurs fois. Bon, bien, et je vous exhorte. Bon, ce qui veut dire que en gros, bon, ben, vous avez reçu mieux fort que des. Si tu es content, clame. Vous êtes une église comment? Église si à moi de l'église de Kodo. Vous êtes collé comme ça. Beaucoup de vous ont la facilité de venir là-bas. L'événement spirituel. Quand vous venez là-bas, c'est quand vous êtes venu à la maison. C'est chez vous. Mais pourquoi vous n'avez pas grandi spirituellement? Qu'est-ce qui va vous affaiblir? Qu'est-ce qui doit vous affaiblir? Pourquoi est-ce que vous devez nous faire?
vous avez reçu beaucoup. Vous devez donner beaucoup. Vous devez donner beaucoup de résultats. Vous devez donner plus de résultats que les pays qui sont loin de nous. Mais que du Togo était cité un exemple en matière de la flamme. Il ne pas ce qu'on. Et quand je demande, voilà, mon bien, qu'est-ce qui a été le feu? Qu'est-ce que toi? Non, non, non. Les raisons que je suis en train de vous dire. Et d'où tu es pour le Seigneur? Devant le Seigneur. La photo. Ces raisons ne sont pas valables. La photo là, quoi, et y'a au moins nous n'avons pas tourné. Depuis que vous êtes ici, et il m'a donné la pierre. Quelqu'un est mort froidement qui a frappé l'église comme ça. Amenez un coup, mettez un coup pour la pierre. Quelqu'un moi ici. Amen. L'église est vraiment. Yo, pour la paix, Hamakatan frappé. Yo, pour Hamakatan. Est-ce que c'est arrivé? Hein? Amen. Acclamez pour Jésus. Voilà les choses. Comme yo. Qui crée l'assoupissement. Qui crée la froideur. Qui crée la fafa. Parce qu'on va se poser beaucoup de questions. Parce que le Seigneur est toujours là. Peut-être une personne est morte froidement. Une autre est morte quelques mois après. Une autre est morte quelques mois après. Tout le monde commence à avoir peur. Vous êtes une là. Peut-être que c'est mon tour. Je vais quitter. Mais la main du Seigneur est sur vous. Elle m'a dit. Il fait sur vous. Elle est quoi, il vous protège. Elle m'a dit. Ça, c'est une garantie de sécurité. Vous avez une garantie de sécurité. Mais nous, t'étais non, on veut qu'à Kaledji. Je vous tiens. Dans des églises de la grande foule. Le Ram Kaom. Vous connaissez les pasteurs qui ont fait partie. Mais il n'y a pas ce que vous comprenez. Il doit livrer par an. Pour le Kaom, à l'homme de l'Équateur, ça va. Mais. Voilà. Les prédits ne peuvent pas sentir. Pourquoi? Parce qu'ils sont bons. La bosse sont bons. Voilà. Dans une église où il y a 1000 personnes. Qui va le détruire? Mais quel âge? Le pasteur est venu dans l'église, il est à la maison, il est mort. Qui va s'en prendre? Qui va s'en prendre? Mais quel âge? Mais vous, bon, miaou, vous êtes dans le bon lieu. C'est ce que j'ai dit à mes tours. Il me plaît le coton de temps. Depuis que le réveil. Eh mais quand il y a un j'ai comment. Tout le monde est là. Ah mais ça me. Il n'y a pas quelqu'un qui est mort froidement bien. Ah mais je veux bien qu'il est mort jamais. Mais approchez-vous. Même la dernière fois. Vous l'avez dit, je tentais. Il faut pas dire mais bon. Empêché. Apportant comme. Il y a une de mes filles. Elle vient de là. Pour aller au boulot. Pour aller dormir. Elle va prendre sa tête. Elle a la prise. C'est elle pour ça qu'on veut regarder sur ta cible. Priez. Parce qu'il y a des tassements même là. Ils sont habités de l'esprit de mort. Oh, il n'y a pas de. Et c'est vers la mort comme ça. Il va aller te prôner à la mort. Elle a croisé le poubon. Donc, quand il est comme ça debout, le tassement. Le zèle va aller la propre année. Cogner sa tête. Bon, tu veux ta tête pour. Contre le camion. Tu es pour vous. Si c'est. S'il n'y a pas la main de Jésus. Non, il est pas ce que le Dieu. Elle est morte. Un coup vraiment. Elle est morte. Un coup vraiment. Elle est morte. Un coup vraiment. On m'a appelé pour me dire ça. Oui, on peut là. Évangéliste. Maman. Non, viens avec moi. Je suis rentré dans l'esprit. Viens me dire quoi pour moi. J'annule déjà tous les églises. Mais tout dort dans les sèches. J'annule. Mais tout tout attend. Scandale qu'ils vont faire. Mais c'est des problèmes. On va prendre la cour. Effectivement. Mais il y a des problèmes. Le sang coulait. Un boulet, tu as tout le monde. Ouais, tout là, il est mort. Il est tout pour correct. Nous sommes les deux. Juste
quelques antibiotiques. Et elle n'a même pas fait un mois. Elle a déjà repris son plan. Jésus est venu. Est-ce que Marie est venue? Elle a donné un signe. Et Dieu est là. Donc vous êtes sous cette couverture-là. Quelqu'un que vous cherchez encore. Pour vous donner au Seigneur. Maintenant, il y a un peu de temps. Lui, il fait son travail. Oui, oui, toi. Malgré quoi, tout ne va pas. Lui, il n'a pas abandonné. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Lui n'a pas cessé de fonctionner. Oh, ouais. Il n'a pas cessé de vous protéger. Mais vous qui êtes bénéficiaire de toutes ces grâces, vous, vous trouvez des raisons pour faire vivre. Vous voyez, quand le Seigneur va commencer à vous parler, à vous questionner, vous voyez que vous ne pouvez pas tenir. Il y a encore une matinée notre. Lui a toutes les raisons. Il y a une amotion au Qatar. Regardez. Voilà. Le jour, okay. Il va arrêter le soleil. Il va noter. Il va voir à quoi ressemble la terre. Voilà quoi les cailles. Il va non. Le jour, il va éteindre du soleil là. Il va tirer le bœuf que tu as. Tu vas voir à quoi ressemble la terre. Voilà quoi a nié les cailles. Il va non normal. Mais depuis tous les problèmes de la terre. Bon, animal, pourquoi qu'attendre? Chaque jour. Que ça, que Dieu au soleil. Bah, bah, lève-toi. Tite. Faut les éclairer. Mais éclaire-nous. Lève-toi. Tite. Faut les éclairer. Mais éclaire-nous. Lève-toi. Tite. Faut les éclairer. Mais éclaire-nous. Et il donne sa lumière. Et on en avait quelqu'un. Même au plus grand méchant. Il a compris la méchanceté. Maintenant, il nous a dit qu'il y a un petit don. Parce qu'il sait que. Elle avait dit qu'il réserve un jour. Un plein que quelqu'un d'aller. Personne ne va partir. Il t'a parlé comment d'abord. Un jour que personne. Que quelqu'un d'aller. Mais ça, on m'a amené comment d'abord. Satan même ne peut pas rater ça. Satan en totalement d'abord. Parce qu'il est souverain. Elle a bon à un peu de il est souverain. Il n'y a pas de souveraineté. Sa souveraineté. Oui, toi, je suis. Il va pas ton yé. Craignez sa souveraineté. Mais bon, il va pas ton yé. Ne banalisez pas. Miga. Sa classe. Tchakano. Vous voulez prendre le problème. Ceux qui ont pris le recul. Ah oui, oui, mais faites-les écouter ce message. Mais non, c'est bon. Dites-le, le Seigneur n'est pas content. Mais prenons pas ton monde et dis-je pas moi. Si elle pense que le Seigneur est content, non. Le Seigneur est comprend. Non, puis va pas ton. Il se trompe. Il se trompe. Il se trompe. Il se trompe. Regardez. La droiture du Seigneur avant. Sous l'ancienne alliance là. Le mal vous voit même. Oh. Je ne vous vois pas de nous. Vous voyez dans l'ancien. Mais quoi les aussi quoi dans l'ancien testament. Le mal vous voit. La manière d'adorer le Seigneur. Allez toi sous après toi. Toutes les lois. Et ça au ah. Si Jésus n'est pas venu là. Mais ce je ne sais pas qui peut. Qui peut même pouvoir être enfant de Dieu? Je ne sais pas. Si on te dit tout ce que le Seigneur nous a déchargé, tous les fardeaux que Jésus nous a déchargés, et nous sommes dans la grâce, et on fait de la grâce. De l'eau glacée. Mais tu vois, tu pas fan. C'est pas bon. Mais non. Regardez. Quoi? Sous l'ancienne alliance. Le mal ou quoi? C'est le sabbat. Sabbat. Le sabbat. Sabbat. Le sabbat qui commence. Sabbat qui dit le vendredi le soir. Et puis là, pour toi. Le vendredi le soir. Tu vis là pour toi. Personne ne touche à lui. Mais le coup de la cassine, tu me touches à ma cassine, là, quand tu pries papa. Oh, madame. Tu me touches à lui. Tu ne vas pas déplacer ça. Omar, attends-moi à quoi dans la pierre. Ça là, tu ne vas pas prendre ça.
Et là, et placé ici. Oh, ma tu es le pied de gâteau dans la pied de cou. Tes muscles vont rester chaos silencieux. Ah non, le dessus, il va vomir. Ma point. Et tu vas passer toute la journée de samedi. Il y a là où on me l'a pour un kakata. Le vendredi samedi. Chopida, Ida, Lumina. La cité, la Torah. Ah non, ah non, les sauts. Ah non, le son, du coup. À quoi tu Et pourtant, et il n'y a pas de salut de là. Je ne sais pas comment l'homme. Maintenant, le Seigneur a rendu les choses. Il n'y a pas tant facile. Oh, le bon, le bon, tu es là. Facile le goût du ami. Mais nous-mêmes, on vient toi. Nous la rendons difficile. Mais tu es là, on va le mettre. Nous la rendons difficile. Oui, regarde, ça c'est ton. C'est comme si on n'aime pas la paix. Donc, pour la même chose, on tient fort. On se crée des problèmes. Mais tu as mis le haut. Pour qu'il aime le nom. Il faut que ça cesse. Elle veut y aller pour te dire. Je vous dis la femme qui comme la paix de Paname. Nous sommes venus. À une étape du réveil, non, le Seigneur nous dit à mon peuple que ça cesse la confiance. Que ça cesse. Et vive dans notre terre. Les œuvres de la chair. Que ça cesse. Les actes de rébellion. Les actes d'incrédulité. Que ça cesse. Que ça cesse. Ne tentez. Je vous dis la vérité. Madame, pas si vous n'êtes pas convaincu, tu veux je prie devant le Seigneur. Nous sommes à quelle étape? Quand vous dites, les jours s'approchent. Ce n'est plus le jour s'approche. Mais il va nier maintenant que Kaoli lève le jour est là. Bon. Le jour est là sous nos yeux. Je vous ai déjà dit là. Alors comment aller? La pluie. Alors comment aller? Que le monde. Que dis-tu là? Eux ils savent que leur maître arrive qui est Satan. Vous voir pour ton sang dans le faux prophète à la poignard, le faux Christ, puis soit le faux Messie. Mais ça va toi, eux ils savent qu'ils viennent et eux et waouh. De la meilleure manière qu'il les convient. Ah non, non, mais mieux, toi, qu'il y a une vie. Mais non, on va le faire. Mais il faut que tu aies un peu. Si tu commences à poser la question à chaque fois, comment tu prépares le règne de Jésus? Allez, que les trahis. Comment tu prépares le retour de Jésus? Allez, que les trahis sont trop longs. Je ne t'obtiendrai pas. Il y a même à quoi? Je pense que ça fait plaisir. Il y a même le poids et l'eau du tout. Ceux qui sont des ténèbres. Ah, mais eux, les métiers. Regardez. Mais bon. Ils ont organisé un événement. Où on est en France. Nous, on allait en France. Qui s'appelle. Géolopique. Quand vous voyez les images, l'ouverture, tu es chrétien, tu vas passer tout ton temps pour le Seigneur. On l'attend, il n'a pas maintenant. Donc les choses sont si palpables comme ça. Donc les choses sont si déjà. Cache plus l'attention à Satan. Il ne cache plus. On le cache plus. Et. Il organise les événements qui vont rassembler massivement d'hommes sur la terre. Vous donnez gloire à Satan. Donc pour cet
tout cet événement. Toutes les télévisions du monde ont été captées. Donc ça fait des milliards de téléspectateurs. Devant ces milliards de téléspectateurs, on va parler des autres. Qui sont venus maintenant organiser une scène, simuler une scène de la Sainte Seine. Le dernier repas que le Seigneur a organisé avec ses disciples. Des homosexuels ont organisé ça. La maman pour se moquer de la croix. Pour montrer que ils sont du côté de l'homme. Christ. Toi, combien de choses que toi tu as organisées qui ont attiré autant du monde pour montrer ton attachement à Jésus. Maintenant, même pour tenir le micro pour moi, après tu as connu Jésus. Eux n'ont pas honte de voir des milliards de personnes leur gloire. Nous avons dit au courage dans Satan. Ils ont montré des scènes abominables. Et tout ce qui s'est passé dans cet événement, rien que des symboles de l'Antéchrist. Rien que des symboles de l'Antéchrist. C'est pour ça que je vous dis. Haïssez le monde. Tous ceux qui sont restés devant leur télévision pour suivre cet événement dont je parle, qui s'est déroulé avant-hier en France, là, ils ont tous reçu la marque 666. Tous ceux qui ont acclamé ont reçu la marque 666. C'est pour ça qu'ils font tout pour que toutes les télévisions soient connectées. Pour que le maximum de personnes puissent regarder. Pour obtenir la marque 666. Pareillement, pour les jeux, les football. Pour les football aussi. Pour le démarrage des football. C'est comme ça ils organisent aussi des cérémonies d'ouverture. Donc tous les symboles sont maçonniques. Sont diaboliques. Tous ceux qui sont connectés reçoivent la marque 660. Peuple de Dieu. En tout cas, c'est pour vous dire que nous sommes à la fin là. Vous voyez, ils ne croient pas à Jésus. Comment croyez-vous dire ça? Quand on parle de Jésus dans nous ce monde, souvent, il ne veut pas. Mais eux, ils croient à Satan. Et ils font la publicité à Satan. Ils veulent imposer maintenant l'adoration à Satan au monde entier. Ça, 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 d'adopter la loi de l'homosexualité. Parce qu'ils savent que la bonne, voilà. Tous les pays qui acceptent ça, là, et tu sais que quoi, c'est les pays qui sont offerts à Satan. On est du côté de Satan. Tous les pays. Et tu le sais, là. Parce que l'homosexualité, la bonne, tu plains, tu veux, c'est un culte à Satan. Et je suis souvent à Satan. Et eux, ils forcent les hommes à accepter ça. Ce n'est pas seulement l'homosexualité. Parce qu'on a dit, le LGBTQI, donc aujourd'hui, il y a même toute une lettre qui suit maintenant le LG. Donc, ils ont déjà dépassé même la limite de l'homosexualité. Nous, on a dépassé ça. Ceux qui défendent actuellement chaud là, et ils se posent encore, c'est que tu es homme et tu décides de devenir femme. Et ton pays doit accepter.
Et ton père doit disposer des moyens pour toi. Il est pour t'aider à devenir femme. Eh. Et des médecins sont formés pour ça. Pour enlever la partie intime. Pour creuser. Et des médicaments, il faut commencer par être injecté pour que la voix de la femme commence à disparaître. Pour que la voix de l'homme commence à apparaître. Vous voyez à quel moment nous sommes. Et en France, le français, la loi est là même déjà. Est-ce que ceux qui veulent devenir, c'est-à-dire tous ceux qui veulent changer de sexe, mettent de l'argent à leur disposition. Il suffit que tu aies seulement. Tu sens en toi que tu es femme. On va t'aider avec les moyens de l'État. Aux États-Unis, il y a des lois qui sont là maintenant que tous les enfants, si ton enfant va voir son professeur pour lui dire « Professeur, je sens que je suis femme. » C'est fini. On va le prendre en charge sans même demander l'avis du parent. On va même pas demander la vie des parents avant de prendre l'enfant pour l'amener à un suivi chirurgical pour qu'il devienne femme. C'est pourquoi j'ai dit fais attention. Tu vas aller marier un homme qui s'est transformé en femme. Et ça marchait. Tu les vois, tu ne fais même pas attention. Oh, c'est comme ils le font. Oh, le ouais. Ils le font. Oh, le ouais. Pour défier Dieu, mais oh, bon, quoi, toi, ni kama, oh. Ils sont en train de défier l'enfer. Oh, le toi, ni kazuma, boye. Si tu es au voilà l'ambassade des États-Unis ou de France. Allez, c'est comme ça dans tous les pays. Mais il va dire il faut demander audience. Bien, chargé de choses là, de visa, de tout ça. Il dit que toi, tu veux devenir femme. Mais que voilà, tu ne permets pas. Je te dis, dans les jours. Assure, on va te donner visa. Asie. Et arrivé là-bas, on va te prendre en charge. On va te donner. Quand tu suis les documentaires, les gens qui ont fait ça, quand tu vois la maison que l'État leur donne, on les nourrit. Et c'est ceux-là maintenant. Comme maintenant prépare, on les amène maintenant devant la télévision pour faire la propagande de cette vie d'abomination. Pour encourager d'autres à devenir comme nous. C'est pourquoi je vous dis, quand vous suivez leur télévision, vous êtes connectés. Quand tu as canal tout ça à la maison, ce n'est pas pour te former, ce n'est pas pour. Et comment tu l'as dit? Mais c'est pour détruire tout ce qui est de Dieu. Il n'y a pas de film aujourd'hui où non, on ne peut pas. Les scènes de nos sexualités. Les choses abominables sont des choses normales. Le monde a normalisé. Suivez tes enfants. Oh, vieux, si tu as canapé ça là. Non, canapé c'est la chose. Suivez.
Même les télévisions nationales, les feuilletons qui passent, le sujet passe dedans. Les dessins animés, les Disney, le sujet de l'homosexualité passe dedans. Peuple de Dieu, qui vient aller au ciel. Maintenant, on n'a pas bien. Est-ce qu'on va nous transporter? Non. Ah, est-ce que ça, ah, okay, ça va réussir? Et n'a pas bien. Ah, est-ce que ça va réussir? Est-ce que nous allons y arriver? Dernièrement, il y a. Parfois, quand j'aborde ce sujet, il y a rien de me dire. Je me sens. Mais c'est comme seul. C'est je me sens comme si c'est moi seul qui vois la dangerosité, la gravité de la situation. Je ne sais pas si vous ne vous sentez la même gravité. Est-ce que tu sens la même gravité? Quand tu vois les deux dans les deux de l'homme, ça veut dire que j'ai même pas avec un feu de colère en toi. Ils ont pris tout comme ça. Autant t'adorer. Ils ont fait comme ça. Autant t'adorer. Et ils veulent que tout le monde marche dans ce sens. Ils ont dit à mes amis. À l'envers. Ils ont dit à l'envers. À l'envers. Ah, toi, y'a pas ça, gars. Ouais, y'a pas ça, gars. À l'envers. Ah, y'a pas ça, gars. Je vous dis, aujourd'hui il y a des bars spécialement dédiés aux homosexuels. Si tu n'es pas homosexuel, tu ne peux pas aller là. Les hommes, ils vont pour se rencontrer, pour se connaître, pour se tisser relation. Non, attends, au cadre de le voir dans notre main. Il y a des bars spécialement pour les. Les prostituées. Donc, on a boulot. Non, boulot. Ne savent pas qu'il y a des prostituées. Oh. Mais boulot, alors, comme des femmes vont aller se tenir à bas de la rue. À parler de du chut. Aujourd'hui, là, il y a aussi déjà des hommes. Tu les nénés. Ils se tiennent aussi à des coins. Quoi, non, qu'on a dit spécifique. Ton coin. Pour attirer aussi des hommes. Bon, on va faire. S'autoriser. Tu veux dire, on va pas en bon. Voilà le monde dans lequel nous sommes. Quand tu es dans de tels mondes et tu t'amuses avec ton salaire, c'est que tu es malheureux. Tu es malheureux. Tu es vraiment malheureux. Parce que c'est comme si bon. C'est rien. C'est non. C'est rien. C'est comme si toi-même tu es devenu comme ça. Vous savez, il y a des chrétiens quand on parle de ces sujets-là. Ils ne trouvent rien de grave. Ils considèrent que c'est un peu comme ça. Vous comprenez? Ils trouvent ça normal. Et ils considèrent que non, c'est l'évolution de l'homme. Ils ont la pensée progressiste. Ils ont nos idéologies. L'idéologie progressiste. Et nous qui crions comme ça, et bien que le tout le titre est entier, ils nous traitent des extrémistes. Ah ah, oh, ami, ben ami, le plus bien. Que Dieu. En tout cas, je suis extrémiste de Jésus. Mais il y a ce qui sont. Je suis radicaliste de Jésus. Ah ah, mais d'où vous pouvez plus parler de Jésus. Même si tout le monde entier accepte ces choses-là. Mais le pire qu'à ta d'assez, lui, on dit. Chaque racine, je ne vais pas accepter. Et je vais prêcher contre ça. Il y a ma pompouretti. Dans un monde où l'ordre de Dieu est renversé, le pire qu'à ma yéron, t'as de la maman de moi. Le rôle de la sentinelle, c'est de crier. Mais t'as pas la main de la fille ou à tout, oui. Ce n'est pas de se taire. Mais il y a ma mien, le Dieu. Tu te tais. Mais le mien, moi. C'est que tu cautionnes. Crie de toute ta force, comme
Seigneur a dit à Jésus, qui a pris Moïse, parce que c'est un peuple rebelle, crie de toute ta force. Nous devons crier. Le cri de Christ doit se tenir à l'église. C'est pour ça que tous les dimanches, on cite les règles de Saint-Denis. On va citer tous les dimanches. Dans toutes les églises, Jésus revient. Que cela ne vous fatigue pas. C'est comme ça. En Israël, tous les sabbats, les lois de Moïse, là, on les récite. Chaque sabbat. Sabbat de Saint-Denis. Alléluia. Amen. Ah oui. Oui, c'est comme ça. Pour que ça soit transmis de génération en génération. Donc, la sainte doctrine, la règle de Saint-Pierre, quand vous citez, c'est un petit résumé de la sainte doctrine. On a chaque année pour vous le poser. Je péché sur la sainte doctrine. Pour que l'église ne s'affaiblit pas. Pour que l'église ne prenne pas de compromission. Pour que l'église ne rentre pas dans la corruption. Tant que le Seigneur Jésus, la mission qu'il nous a confiée, nous allons continuer de la côtoyer. Nous allons continuer de prier. Mais vous, si ma tout ça, vous êtes toujours important dans la foi d'elle. Le type femme. Vous voyez les choses spirituelles comme un fardeau. Vous voyez venir au culte comme un fardeau. Vous voyez sortir pour aller évangéliser comme un fardeau. Donc vous voulez. Votre ancien fardeau. Mais qui veut son ancien fardeau ici? Qui veut? Il n'est pas venu. Même pas. Acclame pour Jésus. Alléluia. Amen. Une semaine. Conseil à la Jésus t'a donné la paix. La protection. Sa grâce. Tu as trouvé à manger. Tu as trouvé à boire. Tu t'es vêti. Tes enfants sont en bonne santé. Vieux dans le sang. Et dans ça, et les mamans. Venez au rendez-vous d'évangélisation. Après 2 heures de temps. Ah, okay. Pour que vous allez. Vous allez dire. Dans les rues. Le mort. Répandez-vous. Jésus le vit. Yes, et vous finissez. Et bien, vous trouvez ça. Dites-moi, une semaine là, ça fait combien de... Combien de... Quand vous prenez le... Qu'est-ce que c'est le hein? Faut calculer. Quand vous prenez le... Quand vous prenez le... Quand vous prenez le... Quand vous prenez le... Le gaou à la carte bla combien tu donnes à Dieu dedans? Am non, vous allez amener les choses à l'homme de l'occulte. Vous sortez à quelle heure? Il passe pour son carré. Très bien. Donc, 8 heures, tout gagné. Donc, ça fait combien de temps? 2 heures de temps. Hein? Environ 5 heures. Mais bien, pour qu'on m'a ton. Après ça, au programme de la semaine, le conseiller de l'eau, mardi, étude biblique de quelle heure à quelle heure? Ça fait 2h30 de plus, ça fait 7h30 de plus. Après ça, ça fait combien d'heures? Hein? 10h. Après ça, ça fait combien? Ça fait 12h30. 68h. À l'enfant de câble, à deux bonnes. Ouais. Nous, les tous les.
Je vais mettre 13. Voilà. Ça te reste 150. 5 heures. Un poteau à l'enfant de câble. Vous voyez pourquoi? Lui t'a accordé 108. Un an ou à l'enfant de câble. Mais pour lui donner 13 dedans. Nature, oui, ton poney. Hein? Pour lui donner 13 dedans. C'est un problème pour toi. Même dans les 13 que tu lui donnes là. Pour le dimanche, tu viens encore, tu dors encore dedans. Le bas, les doigts attendent dans l'homme. Est-ce que je vois? Hein? Tu trouves que les 5 là, c'est trop. Quand tu étais dans le monde, quand tu es devant ta télévision, devant le football, devant le feu, malgré que c'est long là. Est-ce que tu dors? Rien n'est dans là. Donc quand tu viens devant le roi, le roi, puis Aoudi, puis Aoudi, le peuple que tu lui accordes. Et il normalement, en Israël, le sabbat là, sabbat, c'est 24 pleins. Quand vous là, pleins. Maintenant, dans la grâce, quand le culte fait, ça dépasse 3 heures, ça rentre à 4 heures. Les gens commencent à penser à leur bruit. D'autres pensent à leur pâté. D'autres pensent à leur pâte d'hier. D'autres pensent à leur sauce. Et chacun, les cœurs sont. C'est que les corps sont dedans. Mais les cœurs sont. Chacun a mes ses occupations. Et il est bien, il n'y a rien bon. Vous voyez comment nous attendons. Mais quoi les mises comme avant? Quand le Seigneur va considérer notre adoration, et mes capotons là, on ne va pas s'en sortir. Mais malgré ça, il accepte un nom. Le peu que vous lui donnez là, vite que mes il accepte un nom. Mais il veut que ça change. Ouais, il veut trop. Hein? Il veut que ça change. Ouais, il veut trop. Qu'on sent que tu es bon. Vous donnez quelque chose à quelqu'un de valeureux. Nia. Quelqu'un qui vend quelque chose, quelqu'un qui représente quelque chose pour vous. Quelqu'un qui veut bien un ami. Peuple de Dieu. Ces choses sont élémentaires. Pour votre intimité avec le Seigneur. Ces choses sont élémentaires. Le Seigneur m'a déjà dit de ne parler que de ces choses-là. De ne parler que de son retour. De ne parler que de comment se préparer. De ne parler que de ça. Si je viens parler d'autres choses, je vous séduirai simplement. Je vais faire de bons prédicateurs. Ça ne va pas guérir tout ça. Les maladies spirituelles qui vous rompent, ça ne va pas vous guérir. C'est pour ça que le Seigneur veut. Faire chaque fois de mise à jour. Ceux qui ne sont pas venus au culte. Ceux qui ont leur numéro. D'abord, c'est mission principalement pour les serviteurs. Mais c'est pas les serviteurs seuls. Est-ce que vous avez une équipe de visite? C'est maintenant que vous avez mis ça en place. Qui sont ceux qui ont, qui sont ceux qui sont dans l'équipe? Hein? Oui. Qui sont ceux qui sont... Levez-vous, je vais voir. Amen. Amen. Est-ce que vous... Votre mission. L'importance de votre mission. Alléluia. Amen. Ceux qui se reculent.
Sachez qu'ils sont rentrés dans un combat. Le diable est rentré dans le combat pour réclamer leur âme. Pour les faire reculer. Donc votre combat, c'est d'abord spirituel. Donc, vous devez aussi apprendre à connaître chacun. Leur situation. Si c'est une situation ordinaire que vous pouvez régler fixe, l'Église va régler. Parce que nous devons veiller les uns sur les autres. Et vous aussi, qui avez reçu cette mission, soyez aussi des modèles et soyez aussi irréprochables. Ceux qui sont emportés à cause des petits problèmes, des querelles, tu m'as dit si, tu m'as fait ça, et ils m'ont regardé. C'est parce que on n'est pas suffisamment l'importance du salut que le Seigneur a donné. Si tu connais l'importance du salut que Jésus t'a donné, tu vas rester. Voilà. Ou bien, allô, bien, même si on me chicote là, non, fou, bon, hein, tu vas rester. Voilà, nani. Parce que tu connais elle a bien, bien. L'objectif. T'as lu bien. Mais, bon, si tu n'es pas ta mère d'importance, non, mon gars, bien, il n'y a pas quoi. Si tu te regardes comme ça là, non, bon, les gars, quoi. Le dimanche prochain, tu me fais voir. Comment il va me regarder? Il a regardé la qualité de pain que j'ai pas. Pas moi. Ah ouais, comment la poêle de demain va sur moi? Quand ces choses-là sont dans une église, le plus charnel. Et c'est ce qui caractérisait l'église de Galate. Il y a tout de ces Galates. C'est ça que l'apôtre Paul a crié. Et ta pose pas. Oh, Galate! Dépourvu de ça. Mais à sous-être. Qui vous a conçu? Mais quel qui vous a égaré? Mais quel déminaga? Vous avez commencé. Mais j'ai commencé. Vous avez terminé. Vous avez terminé. Vous avez terminé. Vous avez commencé. Mais j'ai commencé. Vous avez terminé. Est-ce que c'est les yeux là, c'est un guide qui te pique? Est-ce que ces yeux là, c'est un guide qui te pique? Est-ce que ces yeux là, c'est un guide? Si tu ne veux pas voir quelqu'un qui te regarde, non, mais tu n'as pas envie de le voir. Quand tu viens au culte là, non, là, je sois. Ferme les yeux. Asseyez-vous. Quand tu fermes les yeux, non, bien quoi, tu vas voir que tu es seul, les gars. Voilà, là, tu es plus concentré. Dis-moi là, non, pour continuer. Je t'ai pas dit de fermer les yeux. Alors, amen. Peuple de Dieu, mais en tout cas, adorer le Seigneur là, premier accord à connaître. C'est que ça vous dit. Adorer le Seigneur. Appelez encore à son aller. Adorer le Seigneur. C'est dans les persécutions. C'est dans les tribulations. Le aya pour ce sont. C'est pas dans le confort. Mais il y a le confort nous trompe. Le confort nous trompe. Quand tu as donné le Seigneur, tout va bien. Tout va bien. Tout est ok. Tout n'y a rien partout. Il ne te fait rien. Il ne te fait rien. Mais on a le canon. C'est vrai. Il y a des choses qui ne peuvent plus toucher. Il y a des limites qui ne peuvent pas toucher. Il
Mais il y a d'autres là. Voilà. Le Seigneur lui-même permet. Après ton temps de namon. Pour taper la poitrine. Pour dire elle là. Bon, après, y a... Tu peux faire tout. Voilà, qui on est seul. Elle ne peut pas m'attendre. Moi qui m'appelle Dieu. Mais bon. Si le Seigneur t'a poitrine. Et déjà on te regarde mal. Bon, tu vas déjà reculé. Il y a le type de côté. Et comment après ton. Là. La prima. Quand on va toucher à ta chair comme Job. Non, Kassim, tu n'as pas le tu vas crier au haut des mains. Elle a quoi si vous voulez dire à Bédouin. Tu vas démissionner. Voilà, Bédouin. Vous ne savez pas quel genre de l'église nous combattons. C'est parce que beaucoup le sous-estiment. Non. Ah ouais. Il est fort dans la manipulation. Il est fort dans la ruse. Actuellement, les grandes armes qu'il utilise à l'époque. La ruse. Ayemon. La séduction. Appelé Amérique. Il sourit. À Colombier. Les gens pensent qu'il est. Il y a un mot passé, mais il y a un mieux là. Après l'enlèvement. Le corps, il va montrer ses cas. Il va débattre vos confiants. Il va montrer ses coques. Elle a des yeux à lui autour, quoi, tout fien. Je vous dis la vérité. Actuellement là, le Fifi, mais il montre un joli sourire. Elle est d'un coup, il trop fien. Pour attirer les gens. Attends, il y a un mot qu'on va. Pour les attirer. Voilà, vos copains. Mais vous, quand vous voyez. Vous m'y avez combien? Il y a un petit. Elle est de peur. Et il cherche à vous dévorer. Il y a un petit peu à vous soumettre. Et il y a un peu à vous. Veillez, soyez sûr. Minon Joe. Il y a un peu de qui. Votre. Elle a un peu pour toi, Dicatoire. Tiens. À Boussan. Il rôde. Elle est tchat. Les mêmes agents. Il fait comment? Elle va être là pour quand il vous regarde. Elle n'a pas mis. Il vous regarde. Elle n'a pas mis. Il rose. La parole, celui qui nous combattons là, ce nous parler, voilà ce qu'il fait. Bon, il rose le bouclant autour de toi. La chaoji. Ça veut dire quoi? Bon, bon, la parole te invite. Maubina. À prendre tes dispositions. Le pauvre tu vois qu'il se trouve à ta gauche. Tu changes de position. Tu vois qu'il est à droite. Tu changes de position. À trop. Tu dois changer de position. Oh là, à côté de toi. C'est ça qui fait de toi un soldat. Hey, yana, un soldat. Yana, tu es mobile. Hey, non, non, tu changes toutes les positions. Tu changes de stratégie. Toi-même, tu changes de stratégie. Acclamons Jésus. Mais non, toi, tu es comme ça. Eh bien, ouais, le temps, le dialogue. Elle a vos faux. Il n'a pas de pitié. Mais pas en plein. Il n'a pas de pitié. Mais pas en plein. Il n'a pas de pitié. Mais pas en plein. Ni pour toi. N'a pas de pitié. N'a pas de pitié. Je vous dis la vérité. Le maître de Paname. Je vous dis la vérité. Le maître de Paname. Donc, attends. Soyez concentrés. Midou, mauvais pied. Venez. Il y a un homme job. Et marcher selon la voie du Seigneur. Même en son, après toi, mon Dieu. Le Seigneur, lui. Après toi, il y a. Tant que vous respectez. Et bien, qu'il y a un peu. Regardez. Quand vous respectez. Et bien, qu'il y a un peu. Les règles du Seigneur. Après toi, le loi. C'est en sécurité. Il y a un peu. Non, non, non. Il va rôder fatigué. Et là, tu attaques là, donc, à des bugs. Il va rôder. Mathématiquement, il va rôder. Et là, mon peu fatigué. Là, tu crois les bugs. Il ne peut pas t'attendre. Parce que. Elle a bon. Il ne peut pas trouver de porte d'entrée. Mantima quoi pour que tu es couvert. Au Tchonjio. Par le sang de Jésus. Par le Yesu. Tu es en sécurité. Elle a mis pas porté. Et quand tu marches. Non, elle est dans la sainteté. Le cocoyer. Si tu ne mets pas la main. Non, mais toi, l'autre. Dans ces choses. Il y avait un bon mot. Non, 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 je te
Mais il n'y a qu'à Sintio. Il n'y a qu'à Sintio. Alléluia. Amen. Mais la bêche. On est quoi à l'autre débuté? Quand tu. Elle a l'eau. Tchao. Je me l'eau un peu. Et il y a beaucoup quand il les tient. Il y a un gros nez là. Il ne sait pas. Au moins il y en a quoi. Il ne sait pas quoi. Au moins quelque chose est en train déjà de se passer. Ben là le tchao. Il ne sait pas. Au moins il y en a. Il pense que c'est jeu d'amusement. Oh vous n'avez pas vu peuple. Non. Vous. Non. Déjà que vous constatez que. Ma vie de prière commence pas à prendre un coup. Sachez que l'ennemi a commencé par arracher ton âme. Sache que tu n'es plus petit cible. Quand tu vois que prier, c'est devenu problème. Méditer, c'est devenu problème. Difficile pour toi. Tu vois que le feu que tu avais, le feu n'est plus là. Le feu est devenu glace. Et les choses spirituelles, pour toi, c'est lourd. Sache que attention. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Maintenant, si c'est beaucoup. Qui sont dans le cadre de l'église. Votre mission, c'est de recenser la vie spirituelle, l'état spirituel. Quand vous voyez que plusieurs viennent se plaindre de la même situation, en toute honnêteté, si la personne est malade, il cache sa maladie. Le serviteur, il n'est pas divers. Sauf si Dieu lui révèle quelque chose. Si tu es malade, tu ne viens pas dire au serviteur. Mais si dans la même semaine vient également, deux, trois, quatre personnes sont venues se plaindre de la même situation. Aussitôt, il faut lancer un programme de réveil. Vous m'entendez? Aussitôt, il faut lancer un programme de réveil. Soit de 7 jours, soit de 10 jours. Vous travaillez. Et avant de lancer, vous les serviteurs, vous allez dans la prison. Allez chercher la famille. Que le Seigneur vous donne des orientations. Pour que vous puissiez, le Saint-Esprit vous fournir les meilleures thérapies pour guérir la maladie du père. Là, toute l'église parle dans un moment. Ah non. Sinon, si plusieurs se plaignent de la même maladie, on appelle ça comment? Oui, okay. Épidémie. Hein? Épidémie. Ah ah! Épidémie. Ça veut dire que il y a un virus qui est entré. À Diadé, allô, voilà. Et quand on église l'épidémie, ça devient quoi? Neuf sur ton roi. Ça devient pandémie. Un bas sur ton roi. Ça attaque toute une nation. Allez, toi, Kata. Donc, peuple de Dieu, ta mort du corps. Faut pas garder silence. Le bébé agit de Dieu. Faut pas garder silence. Il agit de Dieu. Déjà, pourquoi? Dès le début de la semaine. Tu veux conserver le corrigeant. Tous ceux qui sont. Ils sont venus, peut-être aujourd'hui, ou bien ils sont venus il y a deux semaines, trois semaines, un mois, tout ça. Je vous dis. Madame Pronami. Quel problème, quelle que soit la situation, fais tout parler avec eux et montrez-leur de l'amour. Qu'il y a un danger qui est devant. Mieux vaut être de Dieu. Les persécutions. Donc si tu veux faire persécuter, il faut avoir un arrangement avec lui pour lui. Non, il faut arrêter de me persécuter. On va faire comment?
il va dire, ok, d'accord. Si tu veux que je te persécute, là, on se comprend. Là, la première chose, il ne faut plus mettre pied dans cette question. Est-ce que tu es d'accord? Oui, là, c'est là. Ah, ben, d'accord. Ok. Tu vas retourner là, toi, par ton église, là où tu étais. Avec le sang. C'est le Seigneur. Après, je n'ai pas préparé le fiche. Et même que je parle, ben là, tu es comme là pour moi, il ne m'a pas au moins. Ce que le Seigneur veut, que je vous convainque. Je sais que chacun reçoit quelque chose. Je sais que quelqu'un reçoit quelque chose. Ta vie. Qu'est-ce là? Ce n'est pas sujet d'amusement. Mais il y a une Bible qui est là. Ce n'est pas un sujet d'amusement. Mais il y a une Bible qui est là. C'est un combat spirituel. À tous les niveaux. Tous les niveaux. Les niveaux de ciel. Et vous devez réellement. Il y a préparé à affronter. Ah, il sera comme un ami, un ami, un ami, un ami, un ami, un vous, si vous le retranchez, lui, il vous attaque. Ami, un ami, un ami, un ami. Mais si vous êtes toujours à l'offensive. Un ami, tu te l'as dit, coco, quoi. Là, la prima. Vous le repoussez, moi, de vous. Il y a un ami, voilà, donc, le ami. Je vous dis la vérité. Vous un ami. Ne permettez pas à l'ennemi. Regardez-moi la photo. De tel feu. Et tu es que le monde. Si ce feu s'éteint. Mais tu as dit. Ce feu s'éteint. Le matin. Ça là s'éteint. Le matin. Ça là s'éteint. Le matin. Ça là s'éteint. Le ça là s'éteint. Le matin. Toute l'église est déjà infectée. Ah, mais quand t'as la foi. C'est le travail que le diable fait. T'as un étoile que pourtant vous s'envoie là. C'est pour éteindre les flammes. Tu as dit. Avec beaucoup de problèmes. Par contre, vous faites quelque chose. Problème à la maison. Ah, comment toi? Problème marché. Ah, si, comment toi? Problème à l'église. Tu es ramassé à toi. Donc, maintenant, tu sais Rien. Comment aller résister. Maintenant, on peut s'assurer. Alléluia. Amen. Comment résister? Aller qui n'a pas pu s'assurer. Tu vas prendre l'autre de ces principes-là. On a le monde où comment garder la foi dans le milieu des tribulations. Comment s'accrocher à Jésus. Aller dans l'aide de Jésus qui sont malgré les persécutions. Le premier bâton. Premier point. Pardon. La méditation de la parole. La parole de Dieu. Maounia fournit des nutriments spirituels. Quand tu vois que tu es en train de s'éteindre en toi. Oui, tu allais tirer moi. Si tu vois que ton feu est en train de s'éteindre, sache que tu as commencé à manquer de munitions. Si tu es en guerre et tu tires, au lieu que ça dit boum, ça dit tui. Alléluia. Amen. Là, tu vas savoir. Tu es en manque de munitions. Le Rihanna et Nyamade, alors, ça veut dire que tu as besoin d'être
elle est tu as besoin de recharger donc ce qui nous fournit des munitions, c'est la parole. La parole de Dieu. Tu vas faire rentrer spécial de méditation. Voilà, Tu vas sentir que tu es en train de reprendre. C'est que l'amour que tu as pour le Seigneur. Parce que quand tu lis, quand tu médites, ton âme reçoit. Amen. Ton âme reçoit. La méditation, ça permet de te fortifier dans le Seigneur. Et tu puisses dans les promesses. Et tu te rappelles de sa fidélité. Et ça te donne la force. De continuer là. Dans les moments difficiles, quand tu te rappelles, le Seigneur dit ça. Et il est fidèle. Et il a promis. Certainement pour moi aussi. On va le faire. Quand tu commences par te rappeler, tu sais. Quand tu commences à puiser dans la parole de Dieu. Le diable aussi se tient pas loin. Tu as déjà lu cette histoire. Est-ce que tu viens encore croire à ça? Tu as déjà cru à ça depuis. Est-ce que quelque chose a changé? Tu dois te faire. Quand tu médites la parole, faut pas rester évasif. Reste concentré. Si tu restes en esprit, même les mots vont t'échapper. Et tu vas échapper à des munitions que le Seigneur veut te donner. Dans les écrits. Le moment là, donc reste concentré. Elle est venue à nous mourir. Le Seigneur peut te parler au travers un verset. Tu peux avoir un carnet de des parties qui te touchent le cœur. Sache que c'est cet esprit qui est en train de parler. Alléluia. Amen. Deuxième point. Il faut aussi la vie du pauvre. Difficile. Et tu vois que ta vie spirituelle est en train de faire ça. Rentre dans la parole. Méditer la parole pour recevoir des munitions. Deuxièmement, maintenant prier. Et dans tes prières, tu rappelles. Est-ce que tu as reçu la parole. La prière. Tu dois méditer la parole. Après
après la méditation, tu vas mettre la parole maintenant en prière. La chonia sorte de Seigneur, dans telle partie tu as fait la vie avec elle gloire. Dans telle partie tu as fait ça. Le gloire avec tu as fait ça. Le voya, Seigneur, je suis dans le même cas. Je suis dans le cas de Job. Je suis dans le cas de Anne. Je suis dans le cas de Esther. Je suis dans tel cas. Seigneur, ce que tu as fait, fais-le encore. Et tu pries avec foi. Alléluia. Et tu verras. Et voilà, que le Seigneur agit. Ben, apporte-toi la maison. Et troisième point, il y a un peu ton lien. Il faut aussi le ben, que tu sois, que tu prennes au sérieux le rendez-vous de l'église. Non, on veut bien de côté. Tout le monde, je vous dis, ça donne vie. Mais la communauté, ça donne aussi vie. Alléluia. Amen. La manière dont le Seigneur Alléluia. Peut agir dans ta vie. Si tu es seul dans ton coin, non, le cas, tu es seul dans ta maison. Par rapport à ce qu'il va faire au milieu de l'assemblée. Alléluia. Amen. Parce que quand tu es dans l'assemblée, l'onction est forte. L'onction qui couvre l'église est plus forte que l'onction qui va te couvrir toi seul dans ta maison, dans ton petit coin. Est-ce que tu sais ça? Oui, c'est ça. Alléluia. Amen. Donc, tu prends sérieux les programmes. Parce qu'au travail, chaque problème, le Seigneur a un rendez-vous avec ton âme. Regardez. Voilà. Ce que tu es en train de recevoir aujourd'hui, celui qui n'est pas reçu, celui qui n'est pas venu au culte, est-ce qu'il est en train de recevoir ça? Il n'est pas reçu ça. Et même s'il va suivre ça après, en vidéo, la connexion ne sera pas aussi forte. Vous comprenez? Lui il va suivre ça. Et je ne sais pas s'il va s'asseoir et faire exactement le temps que toi tu es en train de faire pour rester concentré pour suivre. Quelqu'un va l'appeler sur son portable. Il va se couper. Elle a tweeté. La connexion va se couper. Elle a tweeté. Avec le Seigneur. Papa. Après ça, il aura encore une autre occupation. Okay. Il va se lever pour aller. Donc, il va suivre ça en petite coupure. Elle a son morceau. Et quand tu reçois les choses de Dieu morceau par morceau, c'est comme ça que la connexion aussi. Or, quand tu es concentré, dans l'assemblée, la connexion, ça vient tout. Alléluia. Amen. C'est ça la différence. Pour tout toi. Amen. Donc, participer au programme. À l'assemblée, c'est très important. Les papiers. Tu dois aussi Olula. Te faire entourer des gens qui peuvent apporter quelque chose dans ta vie. La parole de Dieu dit les mauvaises compagnies ont des bonnes. Ne fréquente pas des gens qui vont éteindre ton feu. Au contraire, il faut fréquenter des gens qui vont augmenter ton feu. Ne fréquente pas
des gens qui vont amener toujours le sujet de telle sœur. Telle sœur encore dit telle chose. Telle sœur encore fait telle chose. Si tu fréquentes des personnes du genre dans l'église, tu vas devenir comme eux. Tu vas devenir pire. Ils vont éteindre toi. Si on joue. Regarde ce que le Seigneur est en train de prêcher. Il est en train de prêcher contre toi. Hein? Quand tu fréquentes des gens comme ça, non, le qui a voulu te dire. Les chrétiens chalent. La base, une chine en me dit. Mais voici les gens de personnes que tu vois. Moi, je veux que la thème a déraclé. Frère, non, mais. Tu vas me dire, tu vas être une doigt. Tu vas me dire, critique prochain. Je veux qu'on se voit. Me dis, madame, on vient d'y être là. Bien, simplement, on y a une chine. Quand tu fréquentes des gens personnels, non, le diable, c'est que tu es toujours voilà. C'est que ton feu est là. Et c'est que tu vois là, Nani. Ton feu est toujours intact. Et tu vois là, et ça augmente. Et Waichi. Ah, frère. Je connais le quartier là. Mais je sais toi. Il y a des gens, frère, quand on évangélise. Nous le sommes. Ils sont sensibles. Où le nain? Bien le nain, il est où? On va aller. Mais attends, il y a quelqu'un qui a le nain. Oui. Mais oui. Quand vous faites comme ça, les mille euros le nain. Comment Satan va trouver par où va passer? Puis qu'à tout à cas semer à par la foi d'air. À par papa les miens. Par où il va passer pour semer? Puis qu'à passer à par quoi les miens? Non. Oui. Les affaires des autres. Wa a kakamoua bema. Wa tosi. Ah, tu vois. Là, c'est là. Elle est devenue enseignée. Là, c'est pour flou. Quand tu la vois. On est pas moi, on est pas moi. Donc, toi, tu viens à l'église pour regarder le ventre. Ouais, elle va. Ah non, pas pour ton amour. Non. Ah, bon. Alléluia. Amen. Il faut des sujets. Oh, qui peuvent apporter un de plus dans ta vie spirituelle. Oh, wow. Les sujets qui peuvent t'édifier. Spirituel. Pour le coup, on dit. Le problème, il faut. Ça fait des. Pendant à l'église de Koto, le c'est pas comme le lama dit, mais non, mais certains se sont laissés à Manoda si on le que et d'autres sont complètement ruinés. Il y a Manoda, d'autres sont retournés dans le monde. Autre, il est qui quand même, je vous dis, le bon ami, il y a une soeur, non, bien, elle a retrogradé un anta. J'ai tout fait. Bon, la dernière rencontre que j'ai faite avec elle, le jour qu'elle est venue au rendez-vous, je l'ai vu comme ça. Je me suis mis à pleurer. La femme, il me prend le parvis. Je me suis mis à pleurer. J'ai dit, Seigneur, mais le parvis, qu'est-ce qui l'a amené à ça? Et quand elle a ouvert sa bouche, elle ne m'a pas parlé. Ton papa. On dirait ah, le magasin nous des problèmes de l'église. Là. Le, on dirait c'est dans son cœur. Quand tu fais ton cœur magasin, mais le toi, tu vas ramasser tout. Là, on nous encore moins. Et c'est rien que des faussetés. À la parole, nous, on a dit. On a dit. Non, mais tu vois. La vérité, sa vie devient qui là? Et tu n'as pas. Il va pas là à prendre les gens, tu vois. Mèche qu'elle portait avant. Mèche qu'elle portait avant. Je vais dans la scène d'autre là. Le c'est différent. Et toi? Maintenant là. Pipia. C'est plus long qu'avant. Elle loue. Elle dit, tiens, toi. Elle a mis la barre très haute.
Parce que Satan a aussi compris. Il n'y a pas de vérité sur la terre. C'est comme ça que Satan aussi te fait croire. Ne mais Satan a aussi le fond de Dieu. Satan te montre. Satan a toi. La vie. À toi même. Peut-être de serviteur. Tu vas imaginer toi même. Regarde, regarde, elle marche. Elle est pas le faire. Regarde. Est-ce que celui-là c'est un chrétien? Amen. Regarde, regarde comment il se comporte. Quoi les couleurs là? Satan ne va jamais te montrer ta propre vie. Satan, attends, attends, viens au loup. Il ne va pas te montrer ta propre vie. Il ne va pas te montrer comment tu es mauvais là. Mais attends, les gars, il va te montrer quand toi tu écris. Non, toi tu écris, toi tu n'as pas de problème. C'est les gens qui ont problème avec moi. Nous pour qui non, dans toute l'église là, c'est toi qui essaies. Mais où est le concours? Je te dis, ta place n'est pas là. Oui, tu peux me la dire. Il faut qu'il t'aide. Dieu. C'est moi qui te parle. Et il a pour bon, oui. C'est pas que le nôtre. Quand tu commences à entendre cette non, ton couillot, ce sont toi. Le qui te fait croire que il tu es. Non, bon, allez, et tu trouves toujours les problèmes yeah, le pas pour que, de l'autre côté. À côté, à part au bout. Ça, c'est l'ennemi qui te séduit. Il y a un peu plus de toi le bleu. Même si tu as raison, non, non, bah, donc, il faut te remettre en cause. Bah, problème, il était où, c'est ça. Être chrétien. Remets-toi encore en cause. Le coup, il y a il sait comment se remettre en cause. Qui va me dire comment se remettre en cause? Ah, mais quel est le problème? Qui va me dire comment se remettre en cause? Ah, mais quel est le problème? Le problème est oui, bien aimé. Ça me permet de voir une cogine. Je vais faire l'introspection. Je me demande à la fin de la situation. Ma faute. Je vais chercher un mot. Connaître le monde de feu. Par rapport à la situation. Avant de réagir. Non, bien le gouverneur, il a joué le coup, mais après, il va m'appeler et une capi à tes mains à nous, non, 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 acclamer Jésus pour sa part. Faites attention aux chrétiens qui n'ont jamais tort. Bon, il est de Christ, les chrétiens qui n'ont jamais tort. Ils ont tort, mais plein la porte, c'est toujours eux qui ont raison. Waouh, t'as pris, Jona. Tous les sujets là. Waouh, il y a encore comment. C'est toujours eux qui ont raison. Waouh, et qui cherchent toujours le tort. Oh, tu en as que pour la dernière. Sur les autres. Là, on me boue bouche. Quand tu es comme ça. Eh, le il y a l'esprit d'orgueil. D'abord, bon, bon. Elle. Il y a l'esprit d'égoïsme. D'abord, le coup de tout le monde. Attention. Il y a encore une. À cet esprit. N'a pas bon. La Bible dit que l'humilité nous amène à nous considérer à combien il y a à combien on des sous des le commandant le chrétien qui pense que lui n'a rien à gagner chez les autres. Les gens viendront. Il y a quoi à mon lava comme le chien. Il y a quoi à mon lava chien le chien. Qui es-tu? Mais complet mille fois. Non, non, ça te fait mal de toi le meilleur chrétien de lui. Me quoi on est là? Christ au temps pas que nous avons dans la pratique. Un homme. Attendez toi on a dans la pratique. Attendez toi on a. Ça va te rendre humble. Et il y a là où la bobole qui où. Ça va te rendre doux. Et là où on a rien me pas pas. Ça va te rendre tempérant. Et là où on a rien mais que de le couti. Ça va te rendre patient. Et là où on a jamais été ça va te rendre bienveillant. Là où on a soumis on a ça va te rendre compatissant. Là où on a été dans le trône là voilà c'est bon oui que tu peux me souffrir. On a dit ma foi. Elle est bien. Il faut que tu fréquentes des gens. Eh ben, déjà mon bon. Avec qui vous encouragez. Ah mais il y a tout ça. Le à son yamé.
vous vous fortifiez. Il y a tous les néo. Vous vous partagez. Il y a mal et paroles édifiantes. Il y a là tous les néo. Et toi-même, ce que toi tu appelles persécution, tu tiens ton temps à combien? Pour l'autre là, c'est comme un petit café matinal. Quand un jour, un quand il va te présenter pour lui, mais là, tu es confiant. Tu vas dire non. Voilà, ah bon, mais je garde pour moi. Je ne prends pas pour toi. Si moi je vous dis persécution, persécutions, je ne sais pas si quelqu'un va prendre ça ici. Il y a la peur. Je vous dis. Mais bon, voilà. Les démons qui me combattent. Bon, bon, c'est pas les démons locaux. Hein. Mais il y a non, c'est pas les démons locaux. Mais il y a pas de mon temps. C'est les démons internationaux. Et il faut qu'on adore le tchouakata. C'est les démons internationaux. Et il y a un adore le tchouakata. Vous allez sur YouTube. Et allez YouTube. Vous allez voir tous les prophétesses de l'histoire de la terre. Ils connaissent Jean-Gracien. Oh, je suis Maoba Boy Jean-Gracien. Tous les prophétesses. Nous avons produit la non vieux. Révélation. Révélation sur l'enfer. On a été trouvé sur ma bonne chère. Oh là, je vous prêche même là. Mais comment est-ce que l'enfer? Quel est ton cas sur ma bonne? Alors plusieurs m'ont déjà vu. Elle a pas fait que le point le sur ma bonne. Quelqu'un m'a vu que ah, elle avait fait une femme. Il est venu de ma maison, il est venu voler de l'or, il a volé des choses, il a volé des choses. Elle va piquer nous. Ah, mais ça, c'est YouTube. Pour quel nom de Jean-Gracien? Ah, le bébé, moi, Jean-Gracien, mais c'est quoi? Non, à 10 points. Oh, tu ne dors pas chez moi. Bon, moi, le temps dans le bon. Tu connais rien de chez moi. Mais il n'y a rien que le bon, Nietzsche. Moi? Yeah. J'ai des problèmes. Je traîne mes sujets. Mais toi, tu es en Europe. Voilà l'Europe. Dans ta climatisation. Le haut, papa, maman. Dans ta belle vie. Le abonnement. Et tu viens voir hors chez moi. Il est pas bon, le nien bon. C'est quand le bon. Oh, moi, j'ai problème de loyer. Bon, y'a mon doux, pour rien, me fouki. Père de Dieu, moi en tout cas, moi c'est les démons internationaux qui me font. On adore le trouveau, mais ah oui, c'est pas compris. Les démons internationaux. Oui, on adore le trouveau. Au sujet, n'est plus au niveau local. Ah, moi le corps, comme lui, le mauvais corps, moi le pire. Alléluia. Amen. N'est plus au niveau local. Moi le corps, lui, le corps, on a dit le pire. Et comme les démons internationaux, le Seigneur déploie aussi des anges internationaux pour le protéger. Ce n'est plus des anges locaux, mais des anges aussi. Alléluia. Amen. Quand je veux me déplacer, les montagnes du ciel sont déployées. Regardez, je suis venu ici sans garde-corps. Parce que je suis, je me déplace avec les garde-corps du ciel. Elle a fait, tu peux pas parcourir ton âme. Je n'ai pas peur. Et moi, bon, bon. Beaucoup s'inquiètent. Ah, mais bon, ils ont raison. Parce que quand ils voient en esprit la mission que le Seigneur m'a confiée, et ils me voient dans la chair, ils voient que dans la chair, ils me voient petit pour le pomme de vie par rapport à la mission. C'est une grande mission. Et ton cas, quand tu te lèves dans un pays, dans un pays, le tu de Karako, pour accomplir des choses pour le Seigneur, les démons territoriaux sont comme un autre cadeau. Maintenant pour toi, ça va au-delà du pays. Ça impacte des nations. Ça va même au-delà du continent. Donc ça a dépassé même les démons continentaux. Ça dépasse les démons du continent.
Parce que le réveil que le Seigneur m'a confié, ça dépasse les continents. Et tout Afrique Atlantique. Ça va au-delà du continent. Et tout Afrique Atlantique. Donc, les persécutions ne sont pas comparables à tes persécutions. Si le diable te donne deux paires de jupes, moi c'est mille livres. Parce que je lui mets. Je vous dis, j'aime Jésus. Acclamons Jésus. C'est que il sait que le cœur qu'il a donné à Jean-Claude n'a pas de Jésus. Extraordinaire. Mais viens nous quand que vous c'est maintenant ou à ton fond. C'est pour ça que je vous demande aussi. Mais t'as voulu bien me dire maintenant. Désirez l'essentiel. Mais qui nous veut dire toi? Il y a ma promo. Désirez l'essentiel. Nous veut dire toi. Vous pouvez désirer l'essentiel. Mais attends, le Seigneur lui-même décide de vous donner. L'extraordinaire. Mais ne désirez pas vous-même l'extraordinaire. Si vous ne désirez que l'extraordinaire, même il le dit, nous doit vous avez de gros yeux. Et là, l'ennemi va vous séduire. Mais quand vous désirez les choses saintes, les choses essentielles, qu'est-ce qui compte? La vie de l'homme. Le Seigneur m'a fait grâce d'une belle femme. C'est pour ça qu'elle est ma grande corps. Alléluia. Amen. Voilà. Partout je suis là. Vous pouvez ouvrir les yeux. Vous allez trouver dans les rayons. Le Seigneur prime. Voilà. Elle est toujours dans mes radars. Elle le Seigneur a dit à leur compte. Alléluia. Et pas elle. Le Seigneur me bénit. Ah, peut-on le dire? De jolis enfants, de jolis garçons, de bignons, de jolies filles. Regardez. Et voilà. Qu'est-ce que je vais désirer? Qu'est-ce qui va m'amener encore? Qu'elle a gardé ma toi? Tromper Dieu. Peut-on m'appeler ma trahir Dieu? Ne m'a d'amour fou. Lui. Ah, on ne court. C'est pour ça que vous aussi. Et il y a ta maison. L'essentiel. Et nous bébés quoi? Qu'il faut dans votre vie? Et quel genre de mal peut-on? L'essentiel. Nous bébés. L'essentiel. Nous bébés. Le Seigneur t'a donné du travail. Après ton auteur. Tu as du travail. Auteur. Bénis son Seigneur. Tu as une activité. Auteur. Qui te rapporte. Et que un peu. Qui te permet. Et que de gérer. Le l'essentiel. Nous bébés toi. Pour ta suivi. Bénis le Seigneur. C'est vrai. Tu peux prier pour avancer. Mais il ne faut pas forcer les choses. Tu dis si tu touches la porte, tu vas ouvrir. Mais appuie. Ça refuse. Tu mets la clé, ça refuse. Il ne faut pas te défoncer. Mais attends, pas pour il ne faut pas défoncer les choses de ta vie. Regarde-moi la bombe. Si tu veux défoncer, tu vas utiliser les moyens. La zamon. Des moyens détournés. C'est ça qui amène les problèmes. Je vous dis la vérité. Je vous dis. Alléluia. Amen. Donc ça fait partie des paroles. J'ai parlé. Non, des gens avec qui tu peux construire ta foi, des gens avec qui tu peux solidifier ta foi, des gens avec qui tu peux te fortifier dans le Seigneur, et non des gens qui vont t'aider à te détruire. Quand je dis ça, quand tu as une relation avec telle soeur, on ne parle pas trop. Non, ne fais pas les choses avec brutalité. Fais-le avec sagesse. Alléluia. Amen. Amen là aussi. Ça comprend ce que tu es en train d'écouter. C'est pour ça que c'est bon de prendre. Alléluia. Amen.
lui t'amène dans des sujets d'oisiveté. Et il y a la de l'oisiveté. Toi, amène-le dans les sujets d'édification. Quand il prend des sujets, des calomnies, des bêtises et tout ça, toi, il peut changer. Le tu le fais chaque fois là. Il va s'adapter. Là, par toi, il va obtenir sa délivrance. Alléluia. Amen. Tu n'abordes que tes sujets. Laisse ta compassion. Regarde, lisons. Tu vas nous faire oublier le sujet des autres. Alléluia. Amen. C'est très important. Quatrième point. Le point de lien. Gardez les yeux fixés sur Jésus. Pour aller nos yeux sur gardez les yeux fixés sur Jésus. Moi, dans mes déceptions, je voulais abandonner. Je voulais vraiment. C'est que je dis non. Si c'est ça la vie chrétienne. Mais regardez. Bon, le Seigneur m'a fortifié. Et ce que le Seigneur m'a dit, oui, le Seigneur dit, mais parmi ceux qui t'ont déchu, est-ce que tu m'as vu dedans? Est-ce que moi, je t'ai déchu? Les hommes t'ont déchu. Au lieu d'abandonner les hommes, les hommes t'ont déchu, mais toi tu veux m'abandonner. Est-ce que c'est moi qui t'ai déchu? Alléluia. Amen. Est-ce que c'est Jésus qui m'a déchu? Jésus est plein de. Est-ce que Jésus m'a trahi? Jésus dans quoi? Une fois. C'est le cas. Est-ce qu'il t'a oublié? Jésus ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Alléluia. Amen. Lui ne t'a pas oublié. Mais il y a mon nom. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas laissé. Même si toi que autour de toi est devenu un désert. Mais regarde, tu vas voir quelqu'un dans ce désert qui s'appelle Jésus. Yes. Alléluia. Amen. Regardez, si vous mettez tout ça en pratique. On va plus, même, on n'a même plus besoin de faire réunion chaque fois. On va appeler une soeur, viens, viens. Non, on est fatigué de ça. Ah ouais, tu connais. C'est bon, soeur, viens. Ok, soeur, viens. Quand je viens ici, je n'ai pas envie de faire ça. Non, parce que je dis, si c'est un chrétien, que on parle comme ça, ils ne se comprennent pas. Même si on les unit, nous pouvons toujours jouer à l'hypocrisie. On a contacté avec nous. Parce que si cette parole que tu écoutes ne te transforme pas, elle a venu à la fin du culte. C'est ça que tu n'as plus salué depuis que moi. Quand tu ne l'appelles pas pour dire ça aujourd'hui, là, c'est le cas. Mais tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de. Alléluia. Amen. À quoi tu. Tu as quoi tu. Chrétien qui est devenu calme. Christ, il n'y a plus de vie dedans. Il n'y a plus de vie en toi. Si ces paroles que tu écoutes depuis matin, que tu écoutes depuis matin, si ça ne t'amène pas, que à la fin du bonheur, tout à l'heure, je vais lancer pour dire bon, si j'ai un problème avec quelqu'un encore, va le chercher en même temps pour l'embrasser. Quel problème en c'est que tu es chrétien mort, tu es chrétien zombie. Qu'est-ce que tu fais parmi les vivants? Alléluia. Amen. Tu es chrétien mort. Qu'est-ce que tu fais parmi les vivants? Si tu veux garder encore des problèmes dans ton cœur, c'est pas Jésus que tu es venu chercher. Jésus ne va pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame pour Jésus. Merci pour Jésus. Non, on ne va pas continuer à être un chrétien zombie.
chrétien insensé, chrétien mort, chrétien quatri. Nous devons être chrétien vivant. Parce que nous portons la vie de Christ. Elle a fait un chocolat. Donc, dans toutes les situations, parle pour que les amis gardent tes yeux sur ces sujets. Tu as un coup d'aller sur toi. Et tu ne considères plus tout ce qui se passe. Ma, on m'a bouillé au cœur de toi, m'a bouillé dans la camion. C'est pas toi, tu dois être totalement insensé à tout ce qui se passe autour de toi. Non, parce que tu es dans la communauté, tu es dans la famille. S'il y a des problèmes, tu dois participer à la règlement. Et non, participer à l'empirer. Soyez des acteurs de paix. Et non, des acteurs de crise. Soyez des gens qui travaille à consolider la paix. La Bible dit heureux. Et heureux ceux qui cherchent la paix. Ceux qui travaillent pour la paix. Travaillent pour que l'amour de Jésus règne dans l'église. Amen. Alléluia. Si quelqu'un se plaint de quelqu'un, non, mais allez le toi, il ne faut pas être celui qui va les amener à se détester davantage. Mais quand on a mené quelqu'un à bien pour les comment on vient comment va on vient pour nous et si on peut se nous sommes des enfants de Dieu. Et si parmi les deux, celui qui refuse de céder là, c'est lui qui est zombie. Celui qui veut pas l'acier. Il veut garder là. Il n'a qu'à garder. Si je vais dire bon, à la fin du culte, bon, je vais recevoir chacun ceux qui ont des problèmes avec le problème. Je suis sûr que même demain, je vais pas être vivant. Même demain, quelqu'un va venir et dire, bon, la dernière fois, j'ai eu un moment là, elle sait, commence pas à me regarder, elle est comme ça là. Je sens qu'elle a quelque chose pour moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu dois libérer ton cœur. C'est pour ça que le Seigneur dit, on va envoyer pour faire un travail de désert. Et hier, il y a un peu de temps, il m'a dit, 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 il m'a dit. Maintenant, il veut que tu regardes ton prochain. Puis il dit, mais la comme lui, après, il y a pour l'aimer. Loin. Alléluia. Amen. Donc, tu vas garder tes yeux fixés sur Jésus. Jésus. Restez focalisé sur la personne de Jésus. Sur sa souffrance à la croix. Et sa victoire. Tout cela va. Nous réconfort, elle a une force immense. Nous sommes maniaques pour la vie. Quand tu regardes tout ce que Jésus a souffert pour nous, au point où il est sous peu pour persécution, il me dit tes difficultés, tout ce que nous sommes que pour te sauver. Quand tu regardes que cet amour est éternel. Cet amour ne finira jamais. Cet amour te coupe de ton vivant. Et après ta mort, tu iras te baigner dans cet amour. Quel merveille. Quand tu regardes à tout ça, tu oublies les bruits qui se passent autour de toi. Tu oublies.
Alléluia. Amen. C'est quel point? Attends-le. Cherchez constamment être rempli du Saint-Esprit. Tu dois demander continuellement la plénitude du Saint-Esprit qui va t'apporter une force. Elle a comme serenao. Alléluia. Amen. Tu dois chercher à te remplir continuellement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit là, c'est l'Esprit qui t'a remplir. C'est que quand le Saint-Esprit est là, tu vois le problème de plus comme problème. Là, problème. Tu ne le vois plus comme problème. Tu ne vois plus la persécution comme persécution. Tu ne le vois pas. Le quoi? Le Saint-Esprit te donne une force. Là, non, on le sent. De les violer. Tu traverses les choses, mais tu ne sais pas que tu es en train de les traverser. Avec tout le monde, parce que chaque jour que le Saint-Esprit t'a mis, il est toujours rempli de joie, tu es toujours rempli de paix, tu es toujours rempli d'amour. Tu regardes autour de toi, tu vois l'amour de Jésus, tu vois l'amour de Jésus partout. Tu ne considères plus le problème. Tu ne considères plus le problème. Alléluia. Amen. En toutes circonstances, on peut garder aussi une attitude de gratitude envers le Seigneur. Tu dois reconnaître les bénédictions du Seigneur, la grâce du Seigneur, même au milieu des épreuves. Alléluia. Amen. Il y a certains. Lorsque ils rentrent dans des moments difficiles, ils s'oublient très vite tout ce que le Seigneur a fait. Ah. Tu as déjà oublié tous les témoignages que tu as rendus. Tu as déjà oublié. Juste à cause de ces moments. Ils vont passer juste pour un temps. Comment tu vas oublier tout ce que le Seigneur a fait? Comment tu vas oublier là où il est venu te chercher? Non. Ah oui. Ne sois pas comme quelque chose. Tu oublies très vite les grâces du Seigneur. Toi, dans le mois qui finit. Remercie encore le Seigneur pour les anciennes choses qu'il t'a faites. Ça te permet de l'amener à réaliser de nouvelles choses. Alléluia. Amen. Je te dis la vérité. Donc tu dois garder une attitude de gratitude. Reconnaître les bienfaits du Seigneur dans le passé, dans ta vie. Et tout que cela soit renouvelé dans la situation présente. Si le Seigneur ne t'a pas abandonné hier, il ne va pas t'abandonner aujourd'hui. Mais toi, il faut garder ton alliance avec lui. C'est très important, ces choses-là. Dans 2 Timothée 3, verset 8, il dit: Ah, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ouais, ceux qui veulent vivre pieusement, ça veut dire que vivre réellement comme un vrai enfant de Dieu. Ceux-là, ils seront persécutés. Donc, les persécutions, les problèmes, tout ça. C'est normal pour le chrétien. Le chrétien averti. Le chrétien qui sait le chiffre.
connaît le chemin qu'il a emprunté. Parce que la bénédiction du Seigneur se manifeste dans les persécutions. Et vous devez vous attendre aussi que tout le monde vous déteste. Dans vos maisons, dans vos familles, vous devez être haïs. Pourquoi tu vas être étonné que les gens te haïssent? Regarde, dans le livre de Jean 15, dis-moi ça. Jean 15, 20. Jean 15, 19. Jean 15, 19. Jean 15, verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit. Jean 15, 19. Jean 15, 19. Si vous étiez du monde, voilà. Le monde aimerait ce qui est en lui. Voilà. Si tu étais du monde, tu allais adopter les comportements du monde. Et quand le monde voit ces comportements en toi, chose normale, ils vont t'acclamer. Chose normale, ils vont t'apprécier. Maintenant, tu n'es plus du monde. Le monde ne voit plus les choses qui appartiennent à toi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te détester. Parce que tu es devenu étranger pour le monde. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Amen. Amen. Donc, attends. Par toutes ces choses, le lui, attends, sachez que le Seigneur est ta victoire. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est ta victoire. Quand tu regardes à Jésus, toi tu sais que tu es victorieux. Et tu ne dois pas t'aimer que l'ennemi utilise des choses insensées pour te déconnecter de la croix de Jésus-Christ. Pour te déconnecter de l'alliance de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es content pour ce message, tu vas acclamer ton église. Et tu vas regarder dans la salle. S'il y a quelqu'un, il y a longtemps que tu la tiens dans ton cœur. Il y a longtemps que quand tu veux même la saluer là, ça te pose un problème. Quand tu la vois, tu as envie de changer de direction. Quand tu la salues même, ton regard ne le salue pas. Regarde la salle. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Je ne veux pas venir faire rencontre de famille. Il n'y a pas de réunion de famille à faire. Jésus a déjà fait la grande réunion de famille à la croix de Golgotha. Donc regarde. Mon enfant, vous me donnez un cantique. Et tu regardes dedans. S'il y a quelqu'un avec qui tu as un problème, il y a tous ceux qui avaient ce problème-là. Si la trompette sonne maintenant, toi seul tu ne peux pas entrer. Et lui aussi ne peut pas entrer. Va le chercher. Va l'embrasser. Ah, mon frère. Ah, ma soeur. Aujourd'hui, là, à cause de Jésus, je laisse ton cœur. À cause de Jésus, je ne peux pas pardonner. Si c'est toi qui as besoin, va chercher quelqu'un. Il va te demander pardon. Le Seigneur veut faire un nettoyage approfondi.
Si tu as pleuré avec un seigneur de Dieu, tu as le voir, ma père. Dans la vie spirituelle, commence à prier. Commence à prier de toute ta force, Seigneur. Les mauvaises herbes qui sont en train d'étouffer ma vie chrétienne.
Seigneur, ce matin, papa arrache les mauvaises herbes, qui ont repoussé dans ma vie chrétienne, qui m'étouffent. Seigneur, ce matin, papa arrache-les. De Jésus, tu arraches les mauvaises herbes de ta vie. Tu les connais. Les mauvaises herbes qui étouffent ma vie spirituelle. Ce matin, par le nom de Jésus, je les arrache. Tout arbre que n'a pas planté Jésus.
Thank you.
Thank you.
la pierre. Seigneur, après temps, les bonnes semences dont j'ai besoin pour que ma vie spirituelle, ma vie chrétienne soit excellente, soit exemplaire. Seigneur, sème ces fruits dans mon cœur. Sème ces semences dans mon cœur. Les bonnes semences du Saint-Esprit. Seigneur, sème-les dans mon cœur. Prie au nom de Jésus. Reçois le Seigneur.
Ce matin, tu as fait à nouveau un travail d'éveil. Un travail de mise à jour. À présent, Seigneur, donne-le encore. L'amour de te servir. Qui te sert avec amour. Qui sent l'amour de te servir. Qui sent l'amour de te servir. Te servir ne sera plus un fardeau pour eux, mais une joie. Parce que tu leur donnes l'amour profond. L'amour profond d'être prêt. Tu as détruit les mauvaises herbes et tu les remplis à nouveau de bonnes semences. De bonnes semences. Les semences de paix. Les semences de joie. Les semences d'amour et de zèle. Les semences de patience. Les semences de compassion leur enveloppent. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Il reçoit maintenant le feu de l'amour. Le feu de la joie. Le feu de la paix. Seigneur Jésus.